fiction. Then was a great scandal later, huh? Because I broke all the unions I did. I was opening the mind of the industry. Allez, installez-vous. Installez-vous tranquillement. Mettez un casque. C'est plutôt conseillé. Évitez d'être sur haut-parleur avec des gens qui peuvent vous entendre ce soir. La discrétion est de mise. L'intimité est requise. Le spectacle est prêt à commencer. On attend encore 5 minutes et on démarre. Non, il n'y aura pas de clown. Aucun clown ce soir. Allez, bougez-moi ces culs là. Get up!
préparez votre sopalin. Préparez votre sopalin. Ah oui. Un an plus tard, il revient sur le devant des streams avec son concept phare, la lecture de cul. Et ce soir, vous allez être servi au programme au moins 6 belles histoires, toutes se terminant et se commençant bien, se déroulant pour le mieux. Du cul! Du cul! Du cul! Ok. Est-ce que vous êtes chaud là? Encore une fois, mettez un casque. Mettez un casque. Parce que ça va être chaud. Chaud. Chabouillant. Je pense que vous êtes prêts là. Moi, je pense que vous êtes prêts. Vous savez, je sais pas s'il y a vraiment des mots qui sont plus beaux, à part litière ou lisière, à part le mot désir. Il y a dans la prononciation du mot désir quelque chose de gracieux, d'aérien. Comme si ce mot appelait d'autres lettres, qu'il était trop court. Qu'il s'arrêtait dans le vide, un gouffre ou un puits, juste au bord. On le prononce dans un souffle suspendu. Il appelle très fort en chuchotant quelque chose qui s'échappe. Il est tout ce qui nous manque. Il est la beauté de l'incomplétude. J'ai été voir sa définition dans le dictionnaire. Désir, ça veut dire sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une personne, d'un objet, d'une situation ou d'un futur particulier. Ah. Bon, j'ai refermé mon dico. Je me suis demandé si l'attraction et l'attente d'un futur particulier, c'était pas aussi la plus belle des définitions de l'amour. Et aussi de toutes ces idées folles qui naissent dans mon cerveau et dans les vôtres alors que rien ne transparaît sur nos visages. C'est aussi la définition... Ah, ça va être la définition même de ce stream, hein, ce soir. On va rechercher des êtres, des objets, pour des usages bien plus intéressants que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Ou un ascenseur est une promesse de voyage intergalactique, on va se prendre à rêver d'un futur particulier, en regardant un inconnu sur un banc, un futur débarrassé du quotidien, de la peur... Eh, de tous ces vêtements, si possible. Car le désir, c'est aussi l'éloge du risque, de la sortie de route, du pas de côté. C'est tout ce qui dérape, tout ce qui glisse. Il est une attente, une rêverie, un « suis-moi si tu l'oses ». Il est une soif, un tremblement, un appel de l'autre. Entrer dans une forêt, un ailleurs sombre et mystérieux, infiniment vivant. Sauter dans le puits ou dans le gouffre. Passer une frontière. Ça va être ça finalement le désir, je pense, ce soir. Deux mots sublimes, enlacés, la lisière et son franchissement à la fois. Bonsoir à tous. Bonsoir Chips. Bonsoir Limon. Bonsoir Luan. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ce début de stream de lecture érotique. Encore une fois, je vous le redis une dernière fois. Mais mettez-moi un petit casque. Évitez de vous mettre sur haut-parleur si vous n'êtes pas seul chez vous. Il va y avoir du contenu un peu... explicite. Qui va être lu ce soir.
six belles histoires avec des petites aventures que je vous ai choisies pour faire des transitions, on va dire, ça va être cool. Mais avant, mesdames et messieurs, faites-moi un triomphe pour votre lecteur. Attendez, je la refais. Alright, comment ça va ce soir? J'espère que vous allez bien, laissez-moi checker un ou deux trucs. Voilà, là on est bien là. J'espère que vous allez bien. Ce soir ce sera un stream un petit peu différent, je vais être debout effectivement. Et on va se lire des histoires de cul. Alors le concept est simple au niveau du rythme. On va commencer par se lire une histoire. Il va falloir que je baisse un peu le son. Je vais essayer de contrôler le son en même temps. Je vais vous lire des histoires qui vont être très très courtes, évidemment. Très très... salut Ethan, d'ailleurs, si tu m'écoutes. Est-ce que Ethan m'écoute? Salut Chris. Non, je regarderai pas les MP, Limon, désolé. Entre chaque petite lecture, on se fera une petite pause. Histoire de redescendre la pression. Messieurs, baissez vos pantalons. Car on va y aller. Ok, première histoire. Vous allez voir, la première histoire est tout à fait... direct. Pour entrer dans le sujet, on va pas se mentir. On n'est pas vraiment sur... un truc gentil, un truc calme. On est plutôt sur un truc assez... énervé, hein, vraiment. Allez, on y va. Donc évidemment, ça va être... toutes les histoires ce soir vont être racontées par des femmes avec ma voix. On va essayer de trouver un truc un peu plus sexy que d'habitude. Si vous vous rappelez ce qu'était il y a un an. C'est à chaque fois des histoires avec un mec qui est pas ouf, avec une meuf. Non, ce soir on va la faire mieux. Ça va être des meufs qui vont nous parler. Allez, on y va. Elle s'appelle Avatar. Je portais cette robe blanche que l'été rendait transparente. Une phrase. Une robe bien trop courte pour l'innocence que semblent suggérer ses motifs et ses dentelles. Une robe qui ne laisse d'autre choix à celle qui la porte que d'assumer l'ambiguïté. La musique c'est nul, ah tu veux voir. Les jours de canicule me rendent toujours impatiente. La chaleur impose alors au corps des appétits auxquels la raison ne peut rien. Comme si la moiteur préparait nécessairement la peau à une autre. Tandis que je traversais le parc, mes hanches marquaient une démarche exagérée. Je sentais dans les regards posés sur moi l'envie que l'on avait de me déshabiller et de me prendre. Les yeux se posaient sur mes seins libres sous le tissu ou sur la cambrure exagérée de mes reins. Je m'excitais des efforts que l'on faisait pour voir sous ma robe. Certains restaient discrets, procédant par coups d'œil furtifs en rougissant si mon regard croisait le leur. D'autres, plus bravaches, espéraient
par leurs œillades appuyées, d'attirer mon attention. Ah, je ne me lasse jamais de ce mystérieux pouvoir qui met les hommes à genoux. Je ne m'ennuie jamais quand on me regarde. Je me suis assise à côté d'un garçon de 20 ans à peine, et j'ai sorti mon livre. Je m'étais dirigé directement vers ce banc. Alors que tant d'autres étaient libres, je m'étais posé près de lui, même si la bienséance m'avait logiquement poussé à une autre extrémité. Ma cuisse contre la sienne, mon bras frôlant le sien. Les minutes défilaient rapidement, mais chaque seconde semblait durer une heure. L'esprit vagabond, mais la peau obsédée par ces petites zones qui se touchaient. Je sentais mon voisin. Ok, on y va. Je sentais mon voisin bandé déjà. Je laissais ses yeux glisser dans mon décolleté pour suivre la courbe de mes seins. Se demandant ce que cette femme brune de 40 ans pouvait bien chercher avec lui. Lui qui n'était pas spécialement beau. Ou ne se demandant rien peut-être. Espérant juste que cet instant magique dure. Le remplisse de cette énergie qu'il sentait dans chacun de ses muscles. Ah, j'ai croisé les jambes, laissant le vent dévoiler mes cuisses au gré de ses caprices. Je ne l'ai pas regardé car je l'écoutais rêver. Imaginez ma main sur son jean gonflé, le déboutonner. Il me voyait sans doute prendre dans mes doigts impatients ce membre qu'il rêvait épais et étendu. Puis le sucer. En public peut-être, comme il n'avait sans doute jamais été sucé. Avec lenteur et gourmandise, ma langue joueuse et effrontée glissant le long de sa hampe, puis autour de son gland. Mes yeux plantés dans les siens pour ne pas lui laisser un doute sur le plaisir que je prenais à le voir prendre son pied. Perdre pied, l'inverse. À espérer sa jouissance sur ma langue et sa semence au fond de ma gorge. J'entendais sa respiration mal maîtrisée tandis qu'il s'enivrait du parfum de muguet qui émanait de mon cou. Je devinais ses œillades rapides. Peut-être tentait-il de deviner le titre du livre que j'avais posé sur mes cuisses pour capter son regard. Il avait compris que je me savais épier et guettait dans le moindre de mes gestes une invitation. Oh ça non, je n'allais pas lui faciliter la tâche. Hein. J'aime bien ces moments de contraste. Quand l'imagination convoque tous les clichés de l'érotisme, tandis que le réel se contente de la timidité du quotidien. Il me rêvait en cochonne, sans aucune inhibition, ni aucune pudeur, qui suce sans sommation, qui espère les bites grosses et endurantes, qui envoie valser d'un regard toutes les conventions pour baiser partout, tout le temps. Et lui se rêvait en étalon, porn star à la vocation contrariée, César de la révélation masculine. Mais sur ce banc, il n'était même pas foutu d'engager la conversation. Julie baignait dans cette chaleur paradoxale qui ordonne à la raison de chercher l'ombre, tandis que les corps qui lézardent au soleil s'efforcent de désobéir. Le mien rêvait de chaleur et de transpiration et de l'inconnu qui saurait le satisfaire. J'aime le parfum de la sueur qui perle sur la peau pendant l'étreinte, le musc qui témoigne de l'ardeur qu'on met à s'occuper de moi. Je rêvais d'un inconnu à la peau fine plaqué sur les mécaniques parfaites de ses muscles, de biceps qu'on bande malgré soi quand on bascule sur le ventre, de fesses que je sens se contracter sous mes mains lorsqu'on jouit en moi. Sous l'assaut de ces images, mon sexe déjà devenait liquide. Peut-être mon voisin le devinait-il. Ok, c'est l'heure d'attaquer les amis. Elle y va la quarantenaire. Elle va le choper le petit jeune sur le banc, vous êtes prêts? Allez vas-y ma poulette. Tout le monde est avec toi. J'ai replacé une mèche de cheveux. Pour impressionner mon homme. Pour l'impressionner, il s'agit souvent de marier l'émotion la plus banale au feu singulier du désir, de suggérer le sentiment que quand tout le corps ne parle que de baise. Je voulais qu'il repense souvent à cet instant, qu'il se demande s'il n'avait pas laissé passer une chance unique,
qu'il se rappelle de cette femme qu'il avait fait bander sans le regarder et qu'il avait fait jouir le soir même quand il s'était retrouvé seul dans le lit, ou à laquelle il avait peut-être repensé ensuite en besognant une étudiante, les yeux fermés. Elle en veut, la dame, elle en veut. J'ai posé ma main sur le haut de sa cuisse. Oh. Mes doigts effleurant longuement une queue que je découvrais plus épaisse que celle que j'avais imaginée. Et sans un mot, je me suis levé pour partir, sans me retourner. C'est à cet instant que je l'ai remarqué. Il souriait sur le banc d'en face. Ce manège que j'utilisais souvent en guise de préliminaire semblait l'amuser. Il paraissait à peine plus jeune que moi. Son t-shirt un peu trop adolescent lui faisait des jolies épaules. Son regard plein d'assurance trahissait une certaine malice et au moins autant de curiosité. Je l'ai rejoint. Ah, on y va. Vous n'allez quand même pas me demander le titre de mon livre, j'espère. Bah, si vous aviez voulu parler littérature, vous seriez plutôt allé dans une bibliothèque, non ? Les bibliothèques m'ennuient. Pour entrer dans votre club de lecture, faut-il nécessairement une carte de membre ? La carte n'est pas nécessaire. Le membre suffit. Je n'aime pas en apprendre trop sur les inconnus que je désire. Un prénom peut suffire à rompre le charme. Est-ce que j'ai envie de me faire prendre par un Lionel ? Non. Et s'il s'appelait Mathias, comme ce dernier qui me baisait si mal ? Je ne voulais rien savoir de lui. Ni son métier, ni ses opinions politiques. Je me suis contenté de lui prendre la main pour lui dire de me suivre. Oh putain. Découvrant ses doigts épais dans ma paume, je ne pus m'empêcher de penser à la queue qui m'attendait, au volume que j'espérais, à sa forme singulière que j'imprimerais dans ma mémoire, aux nervures qu'il a parcourues. Je devinais déjà sa raideur et son impatience. Ok, ça va être l'heure d'activer le cœur bientôt. Hein. À quelques mètres à peine de l'entrée du parc, dans une ruelle adjacente, je me suis arrêté sous un porche pour goûter un baiser discret de mon inconnu. J'embrassais toujours les hommes, au moins une fois, avant de les faire monter chez moi. Même si mon intuition m'avait très rarement trompé, on ne pouvait se prémunir de tout, et le baiser donnait quelques indices sur l'étreinte à venir. Les lèvres trop timides ou trop mouillées, les langues agressives ou sans écoute, ne suggérait rien de bon, et l'aventure se terminait alors devant un digicode. Prenez note, messieurs, prenez note. Avec mon inconnu, l'échantillon était évocateur. Je sentais dans sa sensualité une forme d'impatience incendiaire, et dans sa manière de répondre au mouvement de ma propre langue, un respect, étonnamment joueur. En chemin jusqu'à chez moi, je fermais parfois les yeux pour plonger dans ce que les circonstances m'interdisaient pour le moment. Deux minutes plus tard, à peine, nous sommes arrivés devant chez moi. Au 69, ça ne s'invente pas, du boulevard Voltaire. Une fois la porte close, je l'ai déshabillé dans la chaleur de mon studio. Son t-shirt d'abord, puis son pantalon belge. J'ai laissé mes mains glisser sur ses épaules et je l'ai embrassé. Mes lèvres tremblaient, mes paumes découvraient son torse trapu, la toison brune de sa poitrine. Ah, graou. Je sentais ses doigts descendre au creux de ma cambrure. Ses mains étaient rugueuses, ses gestes délicats. Ses caresses, fermes mais attentionnées. Tandis qu'il me pétrissait les fesses, je sentais l'humidité salée de mon sexe déborder sur mes cuisses, évidemment. Je l'ai allongé sur le lit, et j'ai laissé ma langue jouer avec la sienne. Ma main tenait son sexe à travers son boxer blanc et coulissait lentement. On m'avait dit un jour que j'avais l'assurance des maîtresses qui connaissent leur dextérité et l'attention des pucelles qui ont peur de décevoir. Il semblait aimer que je le masse ainsi. D'abord doucement, puis plus fermement. Pendant qu'une main passait sous le coton et pétrissait délicatement son pénis, de la garde jusqu'au gland, l'autre lui effleurait doucement le haut des cuisses.
J'entendais son souffle se saccader. Alors que je le palpais, je sentais son membre durcir en se gorgeant de sang et de désir. Je m'excitais de plus en plus à l'idée de la sentir venir en moi. L'épaisseur impressionnante de son sexe saurait me remplir et caresser mes parois les plus sensibles. J'ai laissé ma tête descendre le long du torse de l'inconnu, mes cheveux le caressant doucement. Ma langue a d'abord frôlé sa verge, avant de la lécher sur toute sa longueur. Elle s'amusait de la raideur de cette grosse queue, jouait avec les poils qui parsemaient les gardes. Puis mes lèvres se sont posées sur son gland, et se sont entrouvertes, pour l'inviter dans la chaleur de ma bouche. Je l'ai sucé. Doucement. En laissant mes mains parcourir ses cuisses musclées et tendues. Mes lèvres glissaient le long de cette queue, tendue comme un danseur. Je la sentais enfler dans ma gorge et l'emplir de son goût salé et troublant. J'aime le goût du sperm. La texture d'œuf blanc qui glisse sur ma langue et descend lentement dans ma gorge. Ce n'est ni sucré ni salé, ni liquide ni solide. C'est étonnant. Ça n'a jamais vraiment le même goût et pourtant c'est toujours la même saveur. Pendant notre étreinte, la peau de l'inconnu se teintait de l'odeur de son sperm, exudant l'excitation par tous ses pores. Mes doigts étaient descendus entre mes cuisses, trouvaient la chaleur humide de mon sexe. Il titillait mon clitoris que j'imaginais rouge comme un bouton de rose, lui aussi bandé d'excitation. Mon majeur glissait sur mes petites lèvres et cherchait l'entrée de mon sexe. Il caressait les parois de mon vagin, qu'il aspirait dans sa caverne. Je ne voulais pas que l'inconnu jouisse si vite. Je voulais sa queue en moi. Alors, à chaque fois que mes cuisses se crispaient, que les siennes se crispaient, je stoppais mes va-et-vient pour le laisser redescendre un peu. Important, ça. Puis, n'y tenant plus, mon amant du jour m'a plaqué sur le dos et a laissé sa bouche goûter à la chaleur de mon sexe. Enfin, ce qui arrive maintenant, c'est incroyable. Il mêlait sa salive à la source salée qui perlait de mes lèvres. Ses doigts lui préparaient le chemin, tandis que sa langue glissait sur mon con. Enforçait parfois l'accès. Crispant mes cuisses à la force de la surprise, il glissait son clitoris. Le suçait tout doucement. Le stimulait en mouvements circulaires parfaitement maîtrisés. S'il me découvrait, l'inconnu était un explorateur né, qui guettait la moindre de mes réactions, qui buvait la moindre de mes sécrétions, qui insistait au moindre de mes gémissements. Surtout, il plantait ses yeux dans les miens, ce qui me faisait mouiller de plus belle. À chaque fois que je croisais ce regard dont je devinais qu'il ne me laisserait d'autre choix que de jouir sans autre échappatoire possible. J'ai senti l'incendie dans le bas de mon ventre. Mes muscles se bandaient malgré eux. Mes cuisses s'agrippaient à ses belles épaules. Le liquide inondait mon sexe puis sa barbe. Alors, sa bouche est remontée sur mon ventre jusqu'à mes tétons, dressés d'impatience. Il les a taquinés et a remis son sexe dans ma main. Je ne savais plus où j'étais, mon ventre toujours secoué des spasmes que je peinais à réfréner. Je n'avais pas fini de jouir et je me sentais comme dépossédé. Je l'ai palpé machinalement, un peu plus vigoureusement, et il m'a retourné. Je l'ai entendu déballer l'un des préservatifs que je laisse toujours sur mon chevet. J'ai senti mon sexe me pénétrer doucement, mais implacablement. Il glissait jusqu'au fond de mon vagin et ressortait, s'arrêtant au seuil de mes lèvres, dans une parfaite maîtrise. L'une de ses mains pétrissait mes seins, et l'autre continuait d'effleurer mon clitoris. Il m'emplissait, j'avais l'impression de sentir sa queue partout dans mon ventre. Mon cœur palpitait, nos sexes battaient la chamade à l'unisson. Je ne sentais plus mon corps, je m'en échappais. J'étais absorbé par les râles de l'inconnu. Concentré sur sa queue gorgée de plaisir. J'ai serré le drap dans ma main, et la jouissance a de nouveau éclaté dans mon cortex, en dizaines d'éclairs. Je sentais les contractions dans mon vagin faire frissonner tout mon être. Au même moment, le sexe de l'inconnu a tressailli au rythme de son éjaculation. Il a expiré une dernière fois et s'est écroulé à côté de moi. J'ai posé ma tête sur son épaule, comblé d'avoir été si bien honoré par cette solide virilité. Après quelques minutes, j'ai basculé sur le dos et fermé les yeux.
Quand je les rouvre, Pascal s'est déjà relevé. Il a allumé une clope et tente d'enlever son préservatif sans éclaboussure. Il le décolle dans un bruit de slip qu'on fait claquer sur les fesses. Il ne fait pas de nœud et jette le réservoir séminal dans la corbeille à papier. Je vais encore devoir tout nettoyer. On ne devrait plus baiser chez soi, chez moi. Ce que je déteste par-dessus tout chez Pascal, c'est son air grotesque qu'il prend quand il se dirige vers la fenêtre sans me regarder. Le même qu'il a quand il m'attend sur son banc ou quand il me débite en jouant faux les quelques phrases de notre dialogue. Il fume sa cigarette, accoudé au garde-corps. Il ne se rhabille pas et reste nu, à l'exception de ses chaussettes qu'il ne prend jamais la peine d'enlever. J'émerge tout doucement, regardant son cul plat et triste s'affaler sous ses poignées d'amour. C'est un peu trop de réalisme pour un samedi après-midi, je devrais penser à changer de partenaire de jeu. Pas parce que je vis avec des inconnus, des passions intenses et incendiaires que je dois accepter de coucher avec n'importe qui pour les retrouver. Ça fait mal, hein. C'est le nom de mon père. Aïe, aïe, aïe. Comment ça va, ceux qui viennent d'arriver? On est sur une lecture de stream érotique. Un stream de lecture érotique, pardonnez-moi. On va se lire un petit peu des histoires de cul. Donc ça, c'était la première qu'on va appeler l'inconnu du parc. Qui était franchement pas mal. Elle est terminée actuellement. La prochaine s'appelle un petit voyage vertical. Oh oh. Mais avant, on va se faire une petite transition. On va se lire un... On va s'en prendre un autre, attendez, parce que là, je viens de lire un titre, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, celui que je voulais lire s'appelait Pute d'un soir, non. On va s'en trouver une très très courte à lire, tiens. Alors, on va pas se lire Pute d'un soir. Je pense pas. Je pense qu'il y a des limites quand même à certains trucs. Et dans le cadre de Pute d'un soir, on... aussi. Non, non, mais attends. Ah là, voilà. Voyeuse. Ça vous va, voyeuse? Elle va être mieux, voyeuse. Ok, voyeuse. Elle est courte, hein, celle-là, elle est courte. Comme ta bite. Ah. On va tenter un truc. Ah. Ah oui, non. Horrible. Si je n'avais pas partagé mon appartement avec Claire, je n'aurais jamais su à quel point cela m'excite de regarder un couple en train de faire l'amour. Au départ, nous avions convenu de ne pas amener de garçon chez nous, mais comme son histoire avec Carl durait, j'ai accepté qu'il vienne dormir à la maison. Et cela, finalement, à ma surprise, pour mon plus grand plaisir. Le premier soir, ils ont voulu se montrer discrets, et ils ont attendu l'instant où ils me croyaient endormi pour s'enlacer. Pourtant, j'étais tellement excité de les savoir tous les deux ensemble dans le lit à côté que je ne dormais pas, et dès que j'ai entendu les draps se froisser, j'ai glissé mon regard à travers le jour du paravent. J'ai vu leurs deux corps nus serrés l'un contre l'autre. Carl caressait les seins de Claire et en embrassait les poitrines avec ferveur. Sa main coulait le long de son dos, passait entre ses fesses pour effleurer sa... vulve. Claire branlait entre ses doigts le sexe de Carl, qui se dressait fièrement au-dessus de lui. Je trouvais très émoustillant de les espionner. Je sentais mon sexe s'ouvrir et l'humidité éperler entre mes nymphes. J'ai eu envie de me caresser. J'ai donc saisi mon clitoris entre mes deux doigts. Au bout de quelques minutes, Claire a fait se coucher Carl sur le dos et l'a enjambé tête bêche. Elle a pris la querette dans sa bouche et l'a sucé avec une dextérité toute sensuelle. Carl, lui, léchait le sexe tout en lui pelotant les fesses. Il me semblait voir qu'il cherchait à s'introduire dans son index dans son anus de sa compagne, mais je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, le plaisir ne se faisait de plus en plus ardent. Et quand j'ai senti que Claire était sur le point de jouir, je me suis caressé le clitoris avec encore plus de ferveur pour l'accompagner dans l'orgasme. Soudain, elle s'est raidie, son visage s'est déformé et l'orgasme l'a gagné. Oh ! Ah ! Ah ! Elle gémissait de plaisir et je me mordais les lèvres pour étouffer mes propres cris de jouissance. C'était vraiment horrible de les voir se donner autant de plaisir. Après ça... Claire est retournée pour faire face à Carl. Et, agenouillée au-dessus de lui, elle s'est empalée sur son sexe. Elle appuyait ses mains sur sa poitrine pour s'aider à faire coulisser en elle la bite dure de Carl. La bite. Elle a commencé par se prendre lentement, puis de plus en plus vite au fur et à mesure que la jouissance les accaparait de nouveau. Au grognement de Carl, j'ai compris qu'il était en train d'éjaculer. Claire a alors donné de forts coups de rein pour s'enfoncer la queue jusqu'à la garde et elle a réussi à jouir en même temps que son copain. Quant à moi... J'ai fini de me branler, je me suis endormi, sans plus m'occuper de ce qu'il faisait. Depuis, j'attends à chaque fois avec impatience les moments où Carl revient.
Eh ben mon cochon. Si vous avez des histoires hein, de voyeurisme à nous raconter du genre dans le chat, n'hésitez pas. On est là pour vous écouter. Salut Pix. Bon, c'était l'interlude. Hein. On va enchaîner avec la deuxième histoire, Pix. Est-ce que t'es avec nous pour la deuxième histoire, dis-moi. Qui s'appelle Un petit voyage vertical. Salut Maï, comment ça va? Comment ça va Maï? Un petit peu. Pix, détends-toi. Mets un casque. Enlève ton pantalon. Et on y va. Cette histoire s'appelle Maï, un petit voyage vertical. Ça va bien Maï, ça va bien. La double porte... Oula. La double porte métallique coulisse et s'ouvre sur le miroir qui occupe la paroi du fond de la cabine. Comment les astronautes vivent-ils leur sexualité dans les stations orbitales? Tout en réfléchissant à cette question, Bérénice se retrouve face à son reflet. Elle croise son regard en clair, en pénétrant dans l'habitacle étroit qui se referme derrière elle. Sans en prendre conscience, elle se recoiffe d'un geste, en passant la main dans son épaisse chevelure brune avant le décollage. Est-ce qu'ils abandonnent leur désir sur Terre? Il faudra qu'elle se renseigne. Il doit y avoir quelque chose là-dessus sur Internet. À chaque fois qu'elle se retrouve dans ce réduit, elle s'abandonne et se laisse mener par le bout du nez. C'est devenu un jeu quotidien. Elle aime l'idée d'une étreinte en apesanteur. Tandis que la cabine s'élève à une vitesse ascensionnelle de 0,6 mètres par seconde, elle ferme les yeux et se concentre sur les odeurs. T'es presque rien oublié là, des rognures de parfum, l'empreinte olfactive de ses voisins, des poussières de présence. Il flotte dans l'ascenseur un sillage que quelques instants suffisent parfois à éventer. Selon la personne qui l'a précédée dans ce lieu clos, elle se sent plus ou moins à l'aise. Certaines notes de tête, comme la sueur âcre d'un barbu du troisième étage, l'agresse et la dégoûte. Mais quand l'habitacle en est imprégné, elle regrette de ne pas avoir pris les escaliers et se pince le nez. Heureusement, ce n'est pas lui qu'elle retrouve aujourd'hui dans la cage. Le parfum qui hante ses lieux y a parfois stagné assez longtemps pour dégager la note de cœur. Elle aime se laisser chavirer par l'ambre brille métissée d'eau de rose qui exhale le corps plantureux de Christine. Ah merde, la Vénus du sixième, comme la surnomme son frère. Celle dont les gens de l'immeuble se plaignent. Celle qui les scandalise à force de beauté et de tenue légère. Celle qui promène son chien en nuisette et murmure des mots d'amour à l'oreille des hommes qu'elle choisit et approche dans la rue. Des mots doux pris dans sa voix de velours. Des sucreries qu'elle prononce comme ça parce qu'elle en a envie. Celle qui hurle quand elle jouit et qui fait l'amour jour et nuit. Un amour tarifé, disent les mauvaises langues. Celle qui sent si bon qu'on voudrait la dévorer, la sucer, la lécher. Et comment se comporteraient-ils les volumineux seins de Christine en apesanteur? Flotteraient-ils? Et le sexe des hommes? Ça, c'est les pensées de Bérénice. Hein. Ce que Bérénice espère toujours, c'est retrouver cette note de fond qui l'attend parfois au petit matin, quand elle part pour la fac. L'ombre d'un homme passé là dans la nuit. Une sorte de souvenir lointain, perdu, mais toujours sur le point de lui revenir en tête. Cette note l'intrigue. Elle ne parvient pas à savoir qui la dépose là. Quel voisin peut bien sentir le feu de bois, le cuir, la terre mouillée, et cette fleur qu'elle trouve si familière sans la connaître. Sans même la nommer, cette fleur qui lui pousse dans le crâne, s'épanouit sur sa peau. Éclate entre ses cuisses. La titille infiniment. Oui, la titille. Elle adore ce mot. Elle n'a jamais rencontré l'être qui dégage une odeur aussi troublante. Elle l'a cherché au nez, à tous les étages, sur tous les paliers. Elle a cherché ce parfum, toujours au bord de l'effacement, et qui dure pourtant plus que tous les autres. Elle s'est imaginé que ce parfum clandestin rendait visite à une femme, la nuit en secret. À Christine, peut-être. Aussitôt entrée dans l'ascenseur, Bérénice le reconnaît. Il la saisit. Elle le respire aussi longtemps que possible. Elle s'enfonce en lui. Il est la cage. Ce presque rien dans l'air froisse le fil de sa pensée. Les yeux fermés, elle laisse le parfum délicieux l'envahir et il s'incarne avec une facilité qui la surprend. Elle s'imagine dans l'espace, dans une capsule en orbite autour de la Terre, en apesanteur aux côtés de cet homme. Oui, c'est un homme.
abandonnées, aussi légères que les vêtements qui flottent autour de leur corps dénudé. La chevelure de Bérénice s'agite dans un courant d'étoiles. C'est Soraya, Limone. Elle se sent si bien dans cet espace sans gravité qu'arrivée au cinquième étage, elle ne sort pas de la station orbitale mais repart pour un tour en renvoyant l'ascenseur directement au premier étage. La cage file au bout de son câble tandis que son corps danse dans le miroir, que ses formes ondulent, souples, sous l'étoffe rouge et élastique de sa robe d'été. Elle s'amuse à déboutonner son décolleté. En prenant des pauses, elle ne porte pas de soutien-gorge et regarde ses seins s'échapper du tissu. Ses seins que l'or de la cabine cerne de lumière, ses seins qu'elle trouve soudain sublimes et qu'elle caresse, qu'elle dessine du bout des doigts. Ses mains glissent jusqu'à sa taille et s'arrêtent sur ses hanches. Elle fait plisser sa robe en se déhanchant. Elle danse en riant et le tissu remonte peu à peu. Remonte jusqu'à ce que les portes, en s'ouvrant, libèrent un courant d'air frais qui lui caresse ses cuisses. Elle adore ce souffle. Elle se fiche d'être arrivée quelque part. Elle danse. Elle touche un bouton au hasard et repart pour le dixième étage. Elle rebondit, haletante, regarde son reflet presque nu dans la cage dorée, cuisse écartée. Elle admire sa cambrure, sa chevelure, sa posture. Ouais, tout à fait. Elle se trouve belle, osée, face au miroir. Sa main se faufile dans sa culotte stellaire. Elle se titille. Les portes vont s'ouvrir au dixième étage alors que son excitation ne cesse de grimper. Son désir est si fort que l'inconnu pourrait entrer maintenant dans cet ascenseur. Elle l'attend. La robe remontée jusqu'à la taille, le galbe de ses cuisses, des cuisses délicieusement douces et lisses, l'attend. L'étoile de dentelle noire collée à ses fesses, ronde comme des astres, l'attendent. Bérénice tourne le dos à la porte qui coulisse. Elle espère le parfum. Elle espère l'homme au parfum. Elle espère le sexe de l'homme au parfum. Tout à fait. Elle le sent se faufiler dans son entrejambe. Elle le sent se frotter contre son cul. Contre ses lèvres humides, elle le sent. Et elle danse. Elle danse. Mais le palier du dixième est vide. Alors elle retire sa petite culotte cosmique. Sa robe n'est plus qu'un bout de tissu rouge qui souligne sa beauté. Et elle continue à danser en se masturbant. En se tripotant la chatte jusqu'à gémir, jambes écartées, toute seule dans sa capsule, elle gémit toute excitée, incapable de s'arrêter, de sortir, de bouger. Cela fait maintenant 73 minutes qu'elle se tripote dans cet ascenseur, tout occupée par son désir, par ce plaisir qui monte. La porte se referme et elle n'a pas le courage de toucher un autre bouton que celui qu'elle sent à peine sous ses doigts, mais qui la catapulte. C'est l'ascenseur qui l'excite en fait. Bref, elle est catapultée. Elle est catapultée dans une autre région du ciel. Elle plonge dans son sexe mouillé avant de revenir, faire des tours et des détours sur son corps, dans sa bouche, atteindre un sommet qui la tétanise. La cabine s'obscurcit alors qu'elle hurle comme Christine lors de ses amours tarifés, disent les mauvaises langues. Elle tient à peine sur ses jambes et le parfum lui échappe. Elle hurle quelque part dans l'espace. Elle flotte, abandonnée au vent solitaire. Et soudain, l'ascenseur se met en branle, tout seul. Où l'amène-t-il ? Haletante, enfin, j'ai une image là. Il descend et s'arrête à l'étage de Christine. Elle est encore pleine de ce qu'elle vient de vivre et toute débraillée. Et elle a à peine la présence d'esprit de réajuster sa robe et de rentrer ses seins dans son décolleté, toujours largement ouvert. Quand la porte s'ouvre sur un joli garçon aux yeux sombres. Le parfum souffle dans la cabine. Il regarde la magnifique jeune fille, ses joues en feu, ses cheveux décoiffés, ramasse le morceau de ciel étoilé, la très légère petite culotte noire, si vaporeuse qu'elle pourrait flotter. Bérénice le fixe, muette, avec des yeux comme des soupe-coupes. Attention! On a un modo là dans le chat. Eh, Garolou, attention. Hein. Tu vas te foutre. Non, on se calme, on se calme. Attention, hein. Les bannes, ils sont rapides. Hein. Et t'es pas modo, toi, Chips?
Oh bah attention. Hein. Attention, c'est très sérieux ce soir, les amis. Hein. Il regarde la magnifique jeune fille, ses joues en feu, ses cheveux décoiffés, ça on l'a dit. Puis il se penche vers l'oreille de la jeune femme. Elle sent son souffle dans son cou, là où la peau est fine comme un pétale froissé, là où ses grains de beauté dessinent une constellation australe. Il lui murmure. J'ai toujours rêvé d'être astronaute. Voulez-vous que je vous aide à remettre ces étoiles en place? Et la voilà repartie pour un tour d'ascenseur. Ah, c'est la fin! Ah non, ça finit comme ça! Fais gaffe, on voit les dessins. Ah ouais, ouais, oh. Tant que c'est pas en gros plan, tu vois, ça va. Ça va, là, y a plus de dessins, là. Eh, les deux, là, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous amène ici, les deux, là? Garelou et... Mojirochi! Non, non, Limon, j'ai pas le droit. Non, vraiment, si je vous montre les dessins, je me fais ban. Genre, vraiment. Ah, vraiment. Exactement. Alors, on y va. On est parti pour la troisième histoire. Ou alors on se refait. Vous voulez qu'on... Ah, on va la lire celle de tout à l'heure là. Celle qui est horrible. Celle qui s'appelle... Pute d'un soir. On va se la lire la pute d'un soir. On va se la lire. Où va-t-on? Il me prit de court. Je bredouillais lamentablement à l'hôtel et j'entrais dans le premier qui se présenta. Il glissa $40 au géant qui lui tendit une clé. J'entendis l'homme dans mon dos. Et là, j'arrivais à monter les deux étages. Oh putain. Oh putain. Ouais, ouais. T'inquiète. Normalement, ça devrait aller, Souraya. Hein. Normalement, ça devrait aller. Hein. Je vois les courbes de son, on est large. Hein. Au niveau de la musique... Enfin, les autres, à vous de me dire, à vous de me confirmer ou pas, quoi. Attendez, attendez. On va pas lire celui-là parce qu'il parle vraiment de pratique et... Non, voilà. On va plutôt se lire... Oh, celui-là. Oh, celui-là, il a l'air marrant. Ok, ok. Ton stream, de manière générale, est jamais fort. Ah ! Non, normalement, ça va, hein. Normalement, ça va, hein. C'est bizarre ça, mais bon, bref, on y va. Celui-là, il doit être drôle. On y va. Pour des raisons professionnelles, je dois fréquemment séjourner à l'extérieur. Après le dîner à l'hôtel, il m'arrive souvent de me demander comment passer la soirée. On se lasse vite d'aller voir n'importe quel film au cinéma. Simplement pour passer le temps. Et je n'ai pas systématiquement envie de faire la tournée des bars à la recherche d'un partenaire d'une nuit. Cela m'est arrivé, mais je n'ai pas gardé un très bon souvenir. Je suis donc lors de... Ah! Attendez, parce que moi j'ai la musique. Merci Greg. Attendez. Waouh, je vous ai enlevé la musique, mais moi je l'ai à fond. Merci Greg. Ok, on y va. Je suis donc lors de ces déplacements souvent seul, au féminin. Ce qui m'amène à me masturber régulièrement, pour mon plus grand plaisir. Ah non, Greg. La semaine dernière, je me suis rendu au Québec. À Québec, où mon entreprise m'avait réservé une chambre dans un hôtel. Bon, c'est une meuf, elle va dans un hôtel, quoi. Pour le travail. Elle était agréable, joliment décorée, mais très sonore. Et ce que je pris d'abord pour un inconvénient. J'en cherchais la raison, et je me suis aperçu que le placard n'avait pas été isolé de celui de la chambre d'à côté. Il n'était séparé que par un simple contreplaqué. Un oubli, sans doute. Il me suffisait d'entrebâiller la porte pour entendre parfaitement ce qui se passait à côté. À votre avis, que va-t-il se passer ? Mon premier mouvement fut d'appeler la réception pour protester et exiger d'être déménagé dans une autre chambre. Mais bientôt, je changeai d'avis. Mes voisins, qui jusqu'alors échangeaient des propos anodins, semblaient décidés à se livrer à des activités bien plus intéressantes. Les soupirs que poussait la fille ne laissaient aucun doute. J'avais de la chance. C'était une bavarde.
Oui, lâche-moi ça comme ça, enfonce ta langue dans ma chatte, c'est bon, continue. Oh oui, suce, suce-moi plus fort. Ah, continue, n'arrête pas, tu vas me faire jouir. Elle s'entrecoupait ses commentaires de gémissements rauques. Je l'imaginais derrière la cloison, renversée sur le lit, les cuisses ouvertes, tandis que son compagnon, agenouillé devant elle, léchait son sexe offert. J'avais relevé ma robe, glissé une main entre mes jambes et je me caressais à travers le tissu soyeux de ma culotte. Mais très vite, cela ne suffit pas. Il faut dire que ce qui parvenait de l'autre chambre n'était pas spécialement fait pour me calmer. Je veux ta queue maintenant. Oh oui! Oh! Mets-la-moi bien, oui! Jusqu'au fond, vas-y, baise-moi plus fort, c'est bon! Encore! Encore! J'avais réellement l'impression de vivre la scène. J'entendais grincer le sommier du lit, halter l'homme. J'écoutais avec une excitation croissante la fille en délire, jardre de plaisir au rythme de son amant. J'avais fait glisser à mes pieds mon slip et je titillais mon clitoris en le faisant rouler sous mes doigts. J'avais moi aussi envie d'avoir quelque chose dans mon sexe gonflé ruisselant. J'aperçus dépassant de ma valise ouverte le culot d'une bouteille de shampoing. Je la saisis et m'en pénétrai. C'était la première fois que je m'en servais ainsi. Pourtant, sa forme évocatrice aurait dû m'y inciter plus tôt. De ma main demeurée libre, je pétrissais mes seins et je pinçais avec délice leurs points durcis. Je sentais le plaisir monter peu à peu en moi, écartelé sur mon lit, jambes relevées. Mon god improvisé s'avérait d'ailleurs tout à fait efficace. Je l'enfonçais à fond, le tournais, le faisais aller et venir un petit coup de saccade. Dans la pièce voisine, le couple se déchaînait. Soudain, j'entendis un véritable hurlement. Ah ! La fille jouissait. Avec une intensité qui me bouleversa. Puis, ce fut le tour de son partenaire. Je l'imaginais arc-bouté, tendu par l'orgasme. Je croyais voir gicler de sa verge de longe et de sperm. Je poussais de toutes mes forces mon goulmichei comme pour le faire entrer tout entier dans mon ventre. Je jouis à mon tour. J'aime bien ça. En vagues successives qui me laissèrent toute tremblante. J'avais crié moi aussi et j'espérais qu'il m'avait entendu. Je crois d'ailleurs que ce fut le cas. Le lendemain, en descendant prendre le petit déjeuner, je croisais mes voisins qui rentraient dans leur chambre. Je me souviens encore de leur regard surpris quand ils ont constaté que j'étais seul. Ils ne s'étaient peut-être pas imaginé que je ne devais ce fantastique orgasme qu'à ma seule habileté. Voilà. C'est juste une meuf que ses voisins, ils font du sexe, quoi. C'est tout. C'est juste ça, l'histoire. J'espère que ça vous plaît, quand même. Hein. J'espère que ça vous plaît. Tu bois quoi? Ça? T'es du caca? Et en parlant de caca, la prochaine histoire devrait vous plaire, les scatophiles. Non, c'est pas vrai. Je désigne des cafards géants en parallèle, c'est un super mélange. Ah ouais. Ma. Oh. Le jour pointait timidement à travers les volets mi-clos. 5h30 du matin. Les oiseaux dehors s'interpellaient à tour de rôle. Mais qu'est-ce qui se racontait? Des mots tendres, probablement. Des invitations à valser entre congénères dans les ruelles de Paris. Pas le genre d'insanité que j'entendais à longueur de nuit. Valser! Je connaissais par cœur, mais pas comme j'en aurais rêvé. Ok. Je me repassais un coup de peigne et je fis disparaître le rouge de mes lèvres à l'aide d'un coton imbibé de cologne bon marché. Puis, comme chaque matin, j'allumais une cigarette et je me suis servi un petit dernier verre de Suze avant de sortir une photo au bord dentelé de la boîte d'enfer. Posé sur ma table de nuit, le cliché de mes parents m'accompagnait jusqu'à ce qu'on me tire du sommeil. 3 ans que je les avais pas vus. 3 longues années perdues dans cette foutue maison. Et autant de temps à me demander comment ma vie aurait tourné si j'étais resté dans ma campagne. T'inquiète pas, Jason, il n'y en aura pas. Donc ça, c'est l'intro. Elle a chié, bref. Oh, réveille... Attends, non, on va la faire comme ça. Hop, hop, hop. Hé, réveille-toi, on va encore être à la bourre. J'ai mis du temps à refaire surface.
Mais les coups de pied incessants de ma voisine de chambre contre mon matelas m'incitèrent à sortir du lit rapidement. À quel jour on est ? Demandai-je, la bouche pâteuse. Oh là là, et toi t'as bien dû charger la mule encore hier soir, hein ? T'as fini de bonne heure pourtant, on est le 12 avril 1936 ma grande, et t'es toujours au bouton rose, rien n'a bougé, je te rassure, va. La tête dans un étau, je vacillais à la recherche de mon peignoir. Les réveils étaient de plus en plus pénibles car ils me replongeaient directement dans une réalité invariablement triviale. Titine me tendit une cigarette que j'allumais sans attendre pour m'étourdir un peu. Noyé dans un halo de fumée bleue, je repris peu à peu mes esprits. Une autre journée interminable démarrait, la même qu'hier et que celle qui suivrait. Le jour à nous préparer, nous pomponner, nous transformer en déesses luxurieuses et la nuit à aguicher, astiquer et engraisser la matrone. Ah, elle était loin la jeune fille au rêve de grandeur qui avait l'ambition d'ouvrir son atelier de couture en plein cœur de la capitale. La naïve que j'étais naguère avait fait place à la catin que j'étais devenue. Bon alors, elle rêvasse encore à la princesse, là tu te bouges, hein, la banquelle nous attend en cuisine. Titine était l'une des premières filles qui m'avait accueilli au bordel. Elle était aussi belle que la première fois que je l'avais vue. Ses cheveux noirs coupés très courts en laissant apparaître les grandes boucles dorées qu'elle ne quittait jamais, et ses yeux émeraudes m'hypnotisaient toujours autant. C'était une des seules que j'admirais et j'estimais que les autres ne lui arrivaient pas à la cheville. Ah, ces cocottes, femmes fanées aux hanches généreuses et aux poitrines flétries emprisonnées dans des brassières trop serrées, tentaient d'effacer leur visage blême et fatigué derrière une abondance de fards. Je pouvais d'ailleurs en dire autant de moi. Je ne valais guère mieux désormais. Tout droit débarqué de ma province, le cheveu sauvage, la peau laiteuse et les joues roses, mon air de sainte Nitouche les avait bien fait rire à l'époque, mais elle m'avait vite adopté et appris les ficelles du métier. Alors ma belle, il revient ce soir ton mystérieux bellâtre ? Je sais pas. Tu nous as tiré le bolo depuis bien longtemps là, hein. Comment t'as fait pour le soulever celui-là avec la concurrence qu'on trouve ici ? Un vrai coup de veine ! Salut Xeno. Entre Ébène et ses longues jambes ivoires, Lisette et son regard de pucelle, qui ne demande qu'à goûter aux fruits défendus, et Yasmine, avec sa peau de miel aux senteurs d'Orient. Il suffit de rester à côté de Momone. Avec ses bras troués, sa gueule froissée et sa gouaille, on se croirait presque une pute qui déboule de Pigalle. Bah et toi, t'es pas une pute peut-être ? Me renvoyait Titine. Si, mais moi je suis une pute raffinée. Une catin qui ne se mérite et pas un égout à foutre comme celle des bas-fonds. Je suis celle à qui on pense le jour et qu'on retrouve la nuit. Je suis celle que l'on réclame, que l'on chérit. Celle qui a le pouvoir de faire jouir ses messieurs en un claquement de doigts. Et qui remplace avantageusement leur bourgeoise coincée à la maison avec une marmaille gueularde. Et docile au point de m'attendre chargement leur goujat de mari. Putain, c'est vraiment un truc qui se passe en 1930. Hein. L'histoire là, elle se passe en 1936, hein, je vous rappelle. Hein. Ah, tu rêves, ma pauvre, t'es aussi fané que les coquelicots qu'on cueille dans les champs, à peine éclos qu'ils meulent des gens. Je sais, Titine, mais bon, j'aime bien rêver. J'ai pris 10 piges depuis que j'ai mis les pieds dans cette maudite baraque. Mais tu sais bien qu'on pourrait s'estimer chanteuse, hein. On est logé et on a des douceurs, de quoi manger en attendant de vider les caisses de champagne payées par les michetons. Elle est pas belle la vie, Titine ? Logé et nourri, c'est vite dit ! Bah, c'est pas gratuit non plus, je te rappelle, hein. J'arrêtais la discussion par un baiser furtif sur les lèvres de celle qui était devenue ma sœur de cœur. Oh. Si elle savait que j'avais mis un temps fou à trouver le sommeil à cause de l'inconnu, ce bellâtre, comme elle disait, qui s'était invité dans sans prévenir dans mes pensées, me laissant honteusement moite. Je m'apprêtais hâtivement pour ne pas faire remonter les bretelles par cette teigne de Lucienne. On l'avait surnommée la bancale et elle n'avait de cesse de nous surveiller. Elle traînait la patte dans des vêtements étriqués qui lui lacéraient le gras du corps. À sa place, j'aurais déjà foutu un grand coup de cisaille dans le tissu pour élargir tout ça. Vu le mal qu'elle avait à respirer, elle avait sûrement dû se fourrer plus de pieds de porc et de cochonnail dans la caisse que de braquemard, la vilaine. Ça faisait belle lurette qu'elle ne faisait plus bander personne. Même le Maurice, là, édenté et bedonnant, n'aurait pas donné un seul centime pour se la taper. Mais enfin, qui sait. Peut-être qu'un jour, je serai dans le méta. À force de boire et de fumer, mon visage a accusé déjà le coup, hein. Je devais me farder chaque soir davantage. Et Titine, elle disait vrai. La concurrence entre les filles était redoutable. À chacune ses atouts, des seins en forme de poire ou de melon, des hanches généreuses, de longues jambes fuselées ou des corps enrobés, charnus, un gage de volupté très recherché. J'étais bien situé sur l'échelle du désir masculin avec mes seins lourds et ma blondeur naturelle. Certains clients m'avaient même surnommé « Vison Doré ». Ils disaient que plonger dans ma toison leur donnait la sensation de caresser la fourrure d'un félin. Oh, cela me dérangeait pas après tout. Des vraies blondes comme moi, il y en avait très peu dans la maison, vous saviez. Mais nous avions une rouquine parmi nous et elle attisait la curiosité. Hein.
Une fois nue, le sexe exhibé à la vue de tous, elle détonnait. J'avais déjà participé à quelques orgies avec elle. Elle était très professionnelle et elle savait danser comme personne. Et simuler comme personne. Ce qui nous arrangeait lorsque nous nous retrouvions aux prises avec de grands gaillards endurants. Nous avions trouvé la parade. Pour exciter plus rapidement le client, nous le faisions asseoir sur un fauteuil. Après avoir embrassé la rouquine à pleine bouche et tétillé ses tétons du bout de la langue, j'allongeais sur le divan. J'aspirais à nouveau ses pointes rondes et dures comme des petites perles posées sur des coussins moelleux, et je logeais ma main entre ses cuisses. Offerte à moi, et se mouvant comme une chatte en chaleur, elle susurrait des mots salaces. L'autre, en face, attendait la suite, la bouche grande ouverte et la braguette bien tendue. Et lui, et nous la lui donnions. Plus nous en faisions, et plus le pourboire était conséquent. À quatre pattes, la croupe bien cambrée, je descendais jusqu'au bas-ventre de ma partenaire pour finir le nez dans sa touffe. Perdu dans sa fourrure bordorée, je cherchais son bouton sucré de ma langue fouineuse et experte. À sa façon obscène de se tortiller en alternant gémissements et supplications lubriques, elle mettait le pauvre homme en transe. Le pantalon roulé sur ses chevilles, il suait généralement à grosses gouttes, pantelant de désir. À cet instant, on savait que c'était dans la poche. Il nous appartenait. La bouche encore humide du délicieux nectar délicat, je m'attaquais alors au mât tendu qui attendait la libération sur le fauteuil. Le membre coulissant entre mes lèvres, j'exagérais les bruits de succion à chaque va-et-vient. Ce qui avait à ce stade le don de rendre fou n'importe quel bonhomme. Une fois ses esprits retrouvés, là je vous jure, la déesse au sein nu nous rejoignit pour me remplacer. Et pendant qu'elle s'activait sur le manche de l'impatient, je m'approchais du gagne-pain, la poitrine offerte, les pointes bien tendues, furtivement asticoté du bout de mes doigts pour lui aspirer la langue. En général, en trois coups de cuillère à peau, l'affaire était conclue. Et plus on était de femmes, et plus vite on expédiait les chiens fous. Ah là, les sadomasochistes, nous, on les laissait volontaires à notre experte, Fanfan. Masquée et nue, celle-là, avec sa canne qui dissimulait des lanières agrémentées de petites billes de métal, elle maniait le fouet comme personne. Et les adeptes en redemandaient. Bref. Je m'installais devant le miroir pour m'apprêter. Pendant que les autres choisissaient leur tenue, je soulignais mes yeux de noir, mis un peu de fard de rosé sur mes joues, et sur les lèvres, un rouge carmin qui m'avait coûté trois passes. Je relevais mes cheveux, devenus secs et fragiles au fil des décolorations. L'ammoniaque avait fini par ternir leur blondeur originelle. La maquerelle me voulait plus blonde que la normale. Un jour, je finirai chauve et elle aura tout gagné. J'avais choisi de mettre des bas de soie, une gaine rehaussant ma poitrine et un peignoir transparent. À quoi bon m'habiller davantage, de toute façon? Dans moins de 3 heures, je serai à poil dans une des pioles, soumise aux désirs bestiaux des amateurs de chair de tous bords, crève la dalle, petite queue ou insatiable, et navet pour tous les dégoûts. Mais soudain, la cloche retentit. Elle annonçait l'ouverture du temple de la débauche. Les filles virevoltaient autour de moi comme des jolis papillons sous un ciel d'été. Les froufrous, les tintements des perles, les claquements discrets des souliers vernis étouffés par les tapis moelleux, les parfums capiteux exhalés par les peaux nues, tous ces corps se faufilaient entre les fauteuils et les méridiennes en velours. D'un épais rideau sombre séparait les pièces les unes des autres. Les candélabres posés sur des torchères provenaient d'une authentique forteresse tombée dans l'oubli. Je pris place en m'adossant au mur. Et c'était comme ça que je procédais. Je me mettais en retrait et attendais patiemment que tous ces bons messieurs, mariés et pères de famille pour la plupart, fassent leur marché. J'en étais où ? Là. La chasse était ouverte. Pendant que l'une se dandinait sur le sofa, agitant ses deux citrons sous le nez du dindon qui lui faisait les yeux doux, une autre minaudait devant un jeune puceau venu avec son parrain. Encore un qui s'était persuadé que l'éducation sexuelle se faisait entre nos cuisses. Foutaise, en général, on leur refilait églantine. Elle était douce et experte, parfaite pour déniaiser les petits moineaux tombés du nid. Pour l'heure, il fallait que je me dépêche, que je trouve celui qui me ferait passer quelques heures et gagner quelques francs supplémentaires. Cette activité est devenue une quête de tous les instants. Et puis, je ne voulais surtout pas me coltiner le dessous du panier. Au moment de jeter mon dévolu sur un des habitués des lieux, mon regard s'arrêta sur lui. Le mystérieux Bellâtre. Nous avions échangé quelques mots la veille. Il m'avait offert deux coupes de champagne avant de repartir. Ravi d'échapper aux péroraisons de la bancale, il s'avança vers moi. Bonsoir. Ravi de vous revoir. Je souris, incrédule. Où croyait-il que je serais à cette heure-ci ? Chez moi ? On s'installa sur un sofa, près de la cheminée. Le feu crépitait dans l'âtre, et les flammes se déchaînaient dans une danse folle. On aurait dit Josephine Baker en transe sur scène. La chaleur m'enveloppa, à moins que cette sensation soudaine ne fût causée par la présence de l'homme.
à la fois réservée et magnétique, il ne me laissait clairement pas indifférente. Ce mélange d'acteurs et de voyous me faisait même bander selon le vocabulaire en vigueur au Bouton Rouge. Il m'offrit une cigarette et commanda une bouteille de champagne qu'il débarrassa de son bouchon entre deux doigts avant de verser une pluie d'étoiles dans ma coupe. Peau diaphane et barbe cuivrée, il ne me quittait pas des yeux. Son regard pénétrant me rendait toute chose. Je portais la coupe à ma bouche, laissant les perles cristallines éclater entre mes lèvres, et tentais de me ressaisir lorsqu'il entama la conversation. Sa voix était grave et ne délivrait que des mots choisis. Tandis que moi, j'essayais tant bien que mal de répondre sans balbutier les miens. Habituellement extraverti et maîtrisant un langage châtié, je me sentais perdre mes moyens, alors que j'avais envie de le surprendre et de me présenter sous mon meilleur jour. Il s'appelait Armand, et il était de passage à Paris. Il habitait et travaillait dans le sud de la France, au sein de l'usine familiale. Il n'était ni marié ni père, ce qui changeait agréablement des trois quarts des habitués du salon, ces gros porcs. Je rabattis mon peignoir pour tenter de dissimuler ma poitrine derrière le voile transparent de mon kimono. Et vous faites quoi à Paris ? Ah, je suis venu pour rendre visite à ma tante, qui est souffrante. Je repars dans une semaine. Et vous venez ici pour prendre un peu de bon temps ? Non. À vrai dire, je ne connais personne à Paris. À part ma tante, bien sûr, et j'évite la compagnie de ces vieux savants ivrognes qui traînent dans les troquets le soir. Je fuis ce genre d'individus, surtout lorsqu'ils ont 2 litres de rouge dans le sang. Oh, je vous rassure, il y en aura ici aussi, hein ? Oui, mais l'avantage, c'est qu'on peut échanger avec des jolies femmes. Et je le pense sincèrement. Je rougis. Cela faisait belle lurette qu'on ne m'avait pas fait de compliments. Même si je ne me faisais aucune illusion quant au dénouement de la conversation, il me raconta quelques anecdotes. Il me parla de sa passion pour le piano. Il avait donné des concerts en France, en Allemagne, en Italie. Il me questionna sur son passe-temps, sur mon passe-temps. Et il fut surpris que je puisse avoir autant d'idées concernant la couture. Mais jamais il ne m'interrogea sur ce que je faisais ici. Je me sentais bien avec lui. Après plusieurs coupes de champagne et 2 autres cigarettes, il m'interpella sur un ton plus solennel. Joséphine, c'est ça ? Oui. Je redoutais cet instant. Celui où nous allions passer aux choses sérieuses. Ce moment où la jeune fille de bonne famille que je feignis encore allait redevenir la poupée de chair mise à la disposition d'hommes affamés et brutes, libres de la salir et de la jeter à loisir. Je baissai la tête, soudain déguisé et triste. Après tout, nous étions dans un bordel, pas dans un salon de thé. J'aimerais bien vous revoir demain. Vraiment ? Comment faire si nous voulons discuter plus longuement et en toute discrétion ? Vous savez où vous êtes ? Je ne vous apprends rien. Il faudrait aller dans une chambre et payer la prestation. Ah ouais, suis-je bête. Mais ne vous méprenez pas, Joséphine, cochonne. Je souhaite simplement passer du temps avec vous. Et pas du bon temps, cochonne. Il regarda sa montre et prit congé sur un baise-main. Troublé, j'eus un mal fou à travailler ce soir-là, tant et si bien que je fus rappelé à l'ordre par la Soumakas. Rien n'échappait à son œil affûté. C'est pas fini. C'est pas fini. Armand tint ses promesses et revint le lendemain. Lorsque nous entrâmes dans l'une des chambres, la lumière se projeta sur les miroirs de la petite pièce, nous laissant face à nos reflets. Il l'avait choisie au hasard, mais c'était ma préférée. Elle avait un petit parquet ciré, un lit au matelas moelleux, et d'après ce qu'un des clients m'avait dit, des reproductions de grands maîtres étaient accrochées au mur. Les rideaux étaient tirés, ce qui ne changeait rien puisqu'ici les volets restaient clos nuit et jour. Je l'invitai à s'installer sur la méridienne baroque. J'avais pris soin de me couvrir un peu plus. Je ne voulais paraître ni vulgaire ni aguicheuse. Pour moi qui venais de passer 3 ans à peine vêtu, c'était un comble de cacher mon corps devant un homme qui m'attirait. Je me sentais sotte, incapable de savoir ce que je devais faire. Mais il fallait bien gagner la pitance. Je m'avançai vers lui avec une assurance surjouée, mais il m'arrêta dans ma course. Joséphine. Joséphine ! Vous vous trompez. Je ne suis pas venu pour ça. Comme je vous l'ai dit hier, je veux juste discuter et profiter des instants passés en votre compagnie. Je vous ai observé et je pense que vous êtes différente. N'est-ce pas ?
C'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude. Les hommes ne viennent pas ici pour me parler. Oui. Rares étaient ceux qui ne sautaient pas sur la première venue. On n'était pas au 1-2-2, au Chabanais ici. Là-bas, les catins étaient respectés, cajolés et désirés comme de quasi-déesses à qui on devait faire la cour. Ici, nous étions juste des dévidoirs. Installez-vous dans l'autre fauteuil, je vous en prie, et prenons le temps de faire connaissance. Personne ne nous dérangera, et puis, qui peut savoir ce que nous faisons ici? Tout se sait ici, répondais-je, dépité. Toutes les chambres étaient munies de Judas. Ainsi, madame s'assurait que nous nous occupions bien de ces messieurs. Arrivés les bourses pleines, ils devaient repartir les bourses vides, dans tous les sens du terme. Elle attendait de nous que nous les rendions fous, impatients de revenir. Une fois, j'avais entendu le plancher craquer derrière la petite porte. La maîtresse des lieux devait s'y trouver et s'exciter de me surprendre en plein débat. La bouche souillée ou en train de me faire slabourer la croupe, de seins tréchotant à chaque impact. Pendant que le client était occupé à honorer ma rosette, d'abord timidement avant de prendre ses aisses et de la pilonner sans retenue, elle devait en profiter pour s'astiquer l'entrejambe. Elle n'hésitait pas à exiger que l'un ou l'autre vienne la laper comme un petit chat jusqu'à la faire inonder le plancher. Une fois l'extase atteinte, elle nous dégageait alors à grands coups de pompe la garce. C'est dégueulasse. Mais pour moi, rien n'avait d'importance. Féminin ou masculin, figue pulpeuse, abricot, juteux ou gland enflé, tous les sexes et orifices se valaient tant que cela me rapportait assez d'argent pour payer mes cigarettes et un peu de parfum. Armand réserva la même chambre toute la semaine, et nous passâmes des heures à discuter. J'avais trouvé la parade pour ne pas être surveillé en permanence par madame, en installant des paravents aux endroits susceptibles de dissimuler d'éventuels interstices. À chaque visite, mon hôte apportait un petit présent. Chocolat, eau de Cologne, cigarettes, et même une ou deux revues dans lesquelles j'admirais de superbes robes portées par des modèles élégants. Ensuite, on prenait place dans les fauteuils l'un en face de l'autre. Le plus souvent, c'est lui qui me parlait et moi je l'écoutais, fasciné. Il me racontait ses voyages autour du monde et je réapprenais à converser comme n'importe quelle jeune fille. Le vouvoiement donnait à nos échanges une tournure très respectueuse et inédite. Soudain, j'imaginais qu'il me tenait la porte ou qu'il m'invitait dans un grand restaurant. Il m'a pris des mots dont j'ignorais l'existence, comme par exemple le mot « choupisson ». Et moi, je buvais ses paroles. J'étais subjugué. Cet homme me plaisait dans tout ce qu'il représentait. Parfois, lors de ses discours, mon esprit divaguait. Je me surprenais à observer ses mains que j'imaginais toutes douces. Épouserait-elle la forme de mes seins? Saurait-elle me procurer autre chose que de la souffrance et du dégoût? Serait-elle à la hauteur de mes attentes et de mon propre désir? Pourrait-elle se substituer aux miennes lors de mes escapades solitaires? Je baissais la tête, empourprée, lorsque d'autres images me vinrent à l'esprit. Ah! Vous rougissez, Joséphine! Désolé, je ne sais pas, c'est votre manière de parler, de vous tenir. Je crois que c'est la première fois que je me sens bien et en sécurité depuis que je suis arrivé ici. Bah alors, profitons-en, car dans 2 jours, je serai sur la route. Je dois rentrer dans le sud. Le devoir m'appelle. Vous partez déjà? Ah oui, Joséphine. Je ne m'en souvenais plus. Joséphine, je suis aussi peiné que vous. Je commençais à m'habituer à nos rendez-vous. Et comme les jours précédents, il quitta la chambre en me faisant un baise-main. À chaque fois qu'il franchissait la porte, je reprenais le chemin tortueux de mon existence jusqu'à ce que la maison se vide. Alors je pouvais, le corps nettoyé des fluides de mon dernier client, me plonger dans mes pensées les plus secrètes. Armand ne quittait plus ni mon esprit ni mes entrailles. Jamais je n'avais ressenti pareille sensation. Ce sentiment d'abandon, quand j'étais avec lui, comme emporté par un tourbillon dont je ne voyais pas la fin. Était-ce cela le désir le vrai? Cette infinie douceur, mélange de plénitude et d'inconscience où rien ne comptait plus que l'instant présent? Ellipse, plus tard. Ok. Encore allongé dans mon lit, je fus saisi par une douleur au bas du ventre. J'étais nerveuse. Dans quelques heures, Armand ferait son entrée dans le grand salon pour la dernière fois. Et s'il ne venait pas? S'il avait un empêchement? S'il avait oublié notre dernier rendez-vous? La journée fut interminable. Pour le grand soir, Titine m'avait prêté ses boucles en or, celles qui lui frôlaient les épaules. Je passais une guêpière couleur chair, un grand châle noir en dentelle pour couvrir ma pudeur retrouvée et des bas de soie. Mais il me fallait encore trouver une parade pour être disponible quand Armand arriverait. Titine avait promis de m'aider. La sonnette retentit enfin. Le bouton rose ouvrait ses portes. C'était bien la première fois que j'attendais ce moment avec impatience. Les hommes arrivèrent au compte-gouttes.
La bancale les accueillit avec le petit discours mielleux que je détestais, puis les invita à s'asseoir au salon. Nous devions papillonner autour d'eux comme des mouches sur un tas de fumier, leur faire la conversation, tout en les poussant à consommer nos bouteilles les plus chères. Il fallut que je m'exécute car un de mes clients me réclamait. Une fois seul avec lui, je m'activais ardemment, mais le bougre mit du temps à décharger. Heureusement qu'on m'avait parfilé des habituels peine à jouir ou un de ces gars inexpérimentés qui ne savait pas manier le manche et qui aurait mis des heures à se vider. Je ressortis de la chambre avec hâte et remontai aussi vite que je pus dans la salle de bain située sous les colombes pour me donner un coup de pourpre. Une fois l'eau de Cologne venue à bout des souillures, les yeux remaquillés, les lèvres peintes, je redescendis, la peur au ventre. J'entrai en trombe dans le grand salon qui donnait vers la porte d'entrée. Mais Armand n'y était pas. Ce n'était pas dans son habitude d'arriver aussi tard. Les autres jours, on était déjà en train de refaire le monde à cette heure-ci. Je fis part de mon inquiétude à Titine qui, pour me calmer, m'offrit une cigarette. Au bout de la deuxième brune, Armand fit son entrée. Oh oui. Oh oui. Il s'approcha de moi après avoir été reçu par la matrone. Nous montâmes aussitôt dans notre repère. J'étais de plus en plus nerveuse, presque tremblante, bafouillant les réponses aux questions les plus banales. C'est notre dernier jour. Il acquiesça lentement et s'avança machinalement vers la fenêtre au volet clos, espérant peut-être distinguer un rayon de lune à travers les lattes en bois. En vain, alors qu'il était, seuls les réverbères diffusaient encore des lueurs incertaines. Ça faisait 5 minutes que nous étions ensemble et Armand n'avait pas décroché 3 phrases. Armand ! Je regrettais de l'avoir interpellé. Qu'allais-je lui demander ? Je l'ignorais encore. Il me regarda fixement, attendant la suite. Une chaleur m'enveloppa soudainement. Je me sentais incapable de bouger, comme paralysé. Submergé par mon désir, je ne pus résister plus longtemps et je m'approchai jusqu'à l'encercler de mes bras. Il sembla surpris mais ne me repoussa pas. Les yeux fermés, le souffle court, ses mains se mirent même à caresser mon dos avant de s'arrêter. Pardon, je suis désolé, c'est ridicule, je sais que vous n'êtes pas là pour ça. Il sourit. Est-ce que je dis n'a aucun sens ? Ne vous excusez pas. Cette situation est ridicule. À quoi bon de toute façon ? Chut. Ne dites plus rien. Il mit un point final à ce supplice par un baiser, furtif sur mes lèvres. Je fus saisi d'un frisson et me détachai rapidement, incapable d'aller plus loin. Joséphine, nous ne faisons rien de mal. Je sais. Mais je ne veux pas vous mettre dans le même panier que les autres. Je ne voulais pas qu'il me voie les yeux larmoyants, qu'il y plonge pour lire mes émotions. Je ne suis pas les autres. Au contraire. Je sentis son corps se plaquer contre le mien, muscles tendus et tremblants. Il mit ses mains sur mes épaules et l'envie de les toucher me submergea. Mais j'étais alors incapable de bouger. Les yeux fermés, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, des spasmes parcouraient mon échine. Il se posta devant moi et plongea son regard dans le mien. Je ne pouvais détacher les yeux des paillettes noisettes qui piquetaient le brun de son iris. Je pouvais désormais sentir son souffle chaud envelopper ma peau. N'y tenant plus, nos lèvres se frôlèrent à nouveau avant de s'unir dans un baiser torride, laissant nos langues se chevaucher, s'entrechoquer toujours plus avidement. Instinctivement, mes doigts vinrent se perdre dans ses boucles brunes. Je sentis ses mains encercler ma taille et s'arrêter sur ma chute de rein. Ma poitrine se soulevait au rythme de ses baisers. Je compris à son souffle rauque et à son empressement qu'Armand me désirait plus que tout. Il murmura des sons inaudibles chienne contre ma bouche et m'adossa bientôt contre le mur, plaquant mon corps viril nos corps quoi. Je me trouvais gauche, je ne savais plus quoi faire et pourtant ce n'était pas l'expérience qui me manquait, mais l'excitation prit le dessus. Les yeux fermés, les lèvres scellées aux siennes, je défie un à un les boutons de sa chemise avant de descendre lentement le long de son torse dénudé et offert, embrassant chaque centimètre de sa peau blanche et douce, jusqu'à venir buter contre la boucle de sa ceinture. Dessous, je sentais son membre pointé vers moi, palpitant d'impatience. Je le fis jaillir, et tandis qu'il se dressait fièrement, Armand se baissa et prit ma tête entre ses mains. Je lui souris, tentant de le rassurer. Ce que je faisais n'était pas mécanique, au contraire. J'emprisonnais son sexe dans ma bouche avec un désir et une gourmandise non dissimulée.
La texture de sa peau fine sur ma langue me saisit brutalement. La douceur et la raideur de son membre qui se gonflait sous mes massages mirent le feu à mes sens. Ma tête tanguait au rythme d'un métronome et le souffle haletant d'Armand me confirmait qu'il n'était pas insensible à mes caresses. Il me supplia bientôt d'arrêter, alors que des minuscules perles salées commençaient à sourdre sur mes papilles. Le pré-séminal, quoi. Je remontais alors, les yeux fichés dans les siens, pour reprendre sa bouche. Il recula et ôta ma guêpière en quelques gestes mal assurés, libérant mes seins compressés par mon corsage. J'eus alors le réflexe de lui cacher ma nudité. Il sourit et finit par m'allonger sur les draps de satin. Offerte, j'attendais qu'il me surprenne. Il baisa mon cou, ma gorge, et s'attarda longuement sur mes aréoles brunes. Je gémis lorsque sa langue s'enroula autour de mon téton avant de le susauter. Mon exaltation n'en était pourtant qu'à ses prémices. La langue d'Armand acheva sa course au creux de mes cuisses. Je fixai le plafond, impatiente, les nymphes enflées et inondées. Il approcha sa bouche lentement. Immobile, j'arrêtai de respirer et lui offris le délicat miel de mon désir. Je cambrai les reins afin qu'il comprenne que je ne pouvais plus attendre. Il ôta le sous-vêtement trempé de mes fluides avant de jouer avec mon clitoris. Pour finir par pénétrer profondément mon antre de sa langue rose et charnue. Les yeux mi-clos, je l'implorai de mettre un terme à ce délicieux supplice, jusqu'alors inconnu, mais en vain. Je ne pus retenir un cri qui resta suspendu dans les airs, libérant en même moment une rivière de plaisir au long de sa cuisse. Si c'était cela l'extase, alors je fus prêt à mourir sur le champ pour garder cette ivresse à jamais en moi. Il se releva repu, les lèvres gorgées de liqueur et m'embrassa à pleine bouche avant de me soulever et de m'installer sur sa verge jusqu'à la garde. Empalé sur son membre viril, mes reins tanguaient au rythme de son plaisir. Les yeux dans les siens, en nage, le souffle court, il m'honora sans aucune retenue. Encouragé par mes gémissements, il me pilonna à un rythme effréné jusqu'à sentir la sèvre monter peu à peu en lui. Le sexe turgescent, il fut prêt à libérer toute sa puissance. Il donna alors un ultime coup de rein et se déversa en moi dans un râle sourd. Nous restâmes blottis l'un contre l'autre, redoutant l'instant où nous devrions nous quitter. Seules ses promesses de revenir sur Paris me tenaient à l'écart du désespoir et préservaient la grâce fragile de l'instant de bonheur. Les affaires familiales gagneraient sans doute à chercher de nouveaux débouchés à la capitale et le ramèneraient jusqu'à moi. Il me sortirait alors de cet endroit infâme et m'épouserait, comme dans les contes de fées. Armand repartit comme prévu dès le lendemain. Me laissant un souvenir indélébile. Il avait fait naître en moi un désir jusqu'alors inconnu, ainsi qu'un nouveau sentiment, le manque. Ah, je connais ça. Cette douleur constante qui ronge et qui vous tenaille sans relâche. Cette insupportable absence qui prive l'existence de tout son sens. Wow, ou l'inverse, hein. Ce vide incommensurable. Ne pas penser à lui. Ah, là j'ai une belle image. Était une lutte de tous les instants. Mais il ne revint jamais. Je dus alors me résigner et apprendre à vivre sans sa présence, sous peine de sombrer dans la folie. Faut que je fasse gaffe quand même. Comme le souffle caressant d'une brise dans mes cheveux un soir d'été. En fait, si jamais c'est éclairé, je vois. Je gardais en mémoire ces instants volés pour supporter un quotidien sordide. Ce souvenir enivrant rejaillissait dans mes rêves pour me réconforter avant de s'évaporer, laissant derrière lui un halo tendre et nostalgique. Prisonnière de mon destin, enfermée dans un corps qui ne m'appartenait plus, j'eus toutefois la consolation d'avoir un amour pur et sincère que rien ne put acheter. Ouh ! Elle était longue celle-là, hein ? Elle était longue, hein. Alors, Pix. Ça t'a plu ? Est-ce que ton sopalin a été utilisé ? Dis-moi. On en a fait 3 sur 6 hein. J'avais dit 6 histoires, on en a fait 3. On est à 1h28. Quand même hein. Elle était longue et dure, il me pilonna à repu. Mais quelle histoire charmante. Oui. Il est parti, il a commencé à stream. Ah merde. Putain, celle-là c'est vraiment que des histoires dégueulasses hein. C'est ouf. C'est que des histoires un peu plus... Monique.
Par contre, j'ai chaud là. Ça me donne chaud, moi, hein, je vous le dis. Hein. C'est. Oh. Let's go, celle-là. Je sais pas ce que c'est, mais let's go. C'est une courte. On y va avec une courte? Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Hein. Allez. Sana, elle commence par les mots suivants. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Et Alain, mon mari, en a 32. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Attends, quoi? Attends, quoi? Hein? Attendez, je sais pas ce que l'auteur a voulu nous dire au travers de 22 moins 8. Ça fait 4. Ouais. C'est bizarre quand même. Hein. J'ai 22 ans et Alain, mon mari, en a 32. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Dès le début, notre entente sexuelle a été parfaite car nous partageons le même goût, la pédophilie apparemment. Nous sommes passionnés par les jeux de langue. Nous ne nous procurons mutuellement des orgasmes que par des caresses buccales. La pénétration vaginale ne constituant pour nous qu'un préliminaire. Autre avantage ? Cela nous donne une contraception efficace et non contraignante. J'adore pratiquer la fellation complète bien sûr, car j'aime le sperme. On peut en varier les plaisirs à l'infini, tant par les positions que l'on peut prendre que par les caresses que l'on peut donner. J'aime particulièrement être allongé sur le dos, la tête relevée par un coussin. Soit. Alain, un califourchon au-dessus de... Putain, Alain, mon oncle. Un califourchon au-dessus de mon buste. Cette position est idéale pour le sucer et le lécher. En alternance, je l'embouche en profondeur, puis je retire sa verge pour la lécher sur toute sa longueur, embrasser son gland avant de l'encloutir à nouveau dans ma bouche. J'aime qu'il se retire juste avant d'éjaculer. Je reçois alors de longues giclées de sperme sur le visage, les yeux, la bouche. J'adore le sentir couler dans mon cou. Parfois, je me masturbe en même temps. Puis, Alain me fait un cunnilingus. Je jouis rapidement car je suis très excité. Nous alternons ainsi fellation et cunnilingus plusieurs fois de suite. J'apprécie beaucoup aussi être à genoux devant lui, qui reste assis sur le bord du lit, et de le mener à l'orgasme en le suçant le plus profondément possible, tandis qu'il tient ma tête de ses deux mains. Quand son sperme gicle au fond de ma gorge, j'avale tout. Parfois devant une glace, lui debout, moi à genoux, d'une main je lui caresse ses testicules, d'autre je tiens sa verge, lui imprimant un lent mouvement en avant en arrière avec ma langue, je lèche le gland, me vois dans la glace ruisselante de mon précieux liquide... Sentir l'odeur et le goût du sperme m'excite profondément. Je lèche sa verge alors qu'il a déjà éjaculé plusieurs fois en moi. Nous nous masturbons souvent, chacun pour soi ou mutuellement. C'est déjà la fin. Oh les amis! Merci pour le raid. Attendez. Attendez. Oh, putain. Voilà, je suis désolé, c'est que moi j'ai le son des alertes en fait dans le casque. Vous l'avez pas et moi je l'ai gardé dans le casque, j'ai raté un truc. Donc ça a duré longtemps et c'était à fond dans mes oreilles. Merci pour le raid Yelda. Écoutez les amis, vous arrivez actuellement sur un stream de lecture érotique. Hein. On va prendre une nouvelle histoire pour vous. Allez. On y va. J'espère que vous allez bien, mesdames, messieurs, que le stream de Yelda sur Ghostwire Tokyo s'est bien passé. On va vous lire un petit livre avec Yelda qui s'appelle La Main. Est-ce que vous êtes prêts, les arrivants, là? Est-ce que vous êtes prêts? Je vous préviens. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. On s'en fait une petite? On s'en fait une courte, d'accord? On s'en fait une courte. Avec un petit SO.
Attention, mesdames, messieurs. On y va. Ce roman de gare valait tous les autres. Avec son intrigue banale habitée par des personnages à la psychologie sommaire. Mais malgré son absence de qualité littéraire, cette lecture me procurait un instant d'évasion, de rêve, de romantisme que j'aimais m'offrir à la terrasse d'un café. J'étais occupé à lire, attendant l'arrivée de mon compagnon, toujours en retard. Mon voisin de table, absorbé par son journal, ne faisait aucun cas de ma présence. Il parcourait son quotidien, la main gauche inerte, posée sur sa cuisse. J'avais beau tout faire pour l'ignorer, cette main aimantait mon regard. Elle me fascinait. À mon insu, une sorte de dialogue commençait à s'instaurer entre elle et moi. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder, de détailler ses articulations, ses légers soubresauts. Je ne savais rien de mon voisin, je n'avais même pas entreaperçu son visage, dissimulé derrière le journal. Et c'était très bien ainsi. Le voisin en lui-même ne m'intéressait pas, seulement sa main. Je me l'imaginais comme un être à part entière. Renonçant à ma lecture sous l'emprise de cette attraction, je m'évertuais à susciter la curiosité de mon interlocutrice. Il me sembla un court instant qu'elle répondait à mes appels. Était-ce un effet de mon imagination ou s'était-elle mise à se mouvoir lentement, en esquissant un mouvement langoureux, puis s'arrêtant comme dans l'attente de ma réponse? Le silence était rompu. L'échange entre nous devint une certitude. Rien en moi ne pourrait plus résister à ce que cette main m'intimerait de faire. Plus elle prenait vie, plus elle m'attirait. J'avais envie de la toucher, d'éprouver le grain de sa peau, de jouer avec les articulations, d'en appréhender les contours les plus subtils. Elle suscitait en moi de la curiosité, du désir. La force qui émanait d'elle était irrésistible, inopposable. Je brûlais de la recevoir comme un guide, de l'attendre comme une récompense. Ah, Yeldor. Oh. Merci encore pour ton raid, Yeldor. Sentant peu à peu la chaleur m'envahir et le rouge me monter aux joues, je tentais de revenir au fil de ma lecture, replaçant mon fessier sur ma chaise dans l'espoir de reprendre une posture neutre, dos droit, concentré sur mon roman et dans l'attente de mon rendez-vous. Il allait arriver maintenant et je pourrais alors le faire bénéficier de cette charge érotique en me jetant dans ses bras. Incapable de m'en concentrer, je me surprenais à imaginer toutes sortes de situations dans lesquelles je n'aurais jamais osé me complaire. Je la voyais me guider vers mes propres limites. Rien ne pouvait la contrarier. Elle dictait ses ordres, implacablement. Déterminée mais délicate, la main entreprenait de me dévêtir lentement pour ensuite me bander les yeux. À la fois tétanisée et bercée par une étrange forme de confiance, je la sentais m'allonger. Fascinée, je la laissais faire. Les bras relevés, poignets et chevilles attachés au montant du lit, je me retrouvais soudain nu et désemparé. Les sens en éveil, attentive à chaque bruissement, chaque glissement dans l'air, je la savais revenue. Elle m'effleurait lentement, de bas en haut et de haut en bas, et je sentais mon corps s'échauffer, mes tétons poindre, en attente d'une morsure ou d'une caresse, mon sexe se gonflant pour mieux s'offrir. Puis, la main changea d'attitude. Elle me semblait plus douce, moins musclée. Celle d'une femme, peut-être ? Je me sentais à la fois révolté, trahi, comme si elle s'était jouée de moi, mais également conquise, totalement à sa merci. Le serveur choisit ce moment de trouble pour me proposer un deuxième thé. Tiré sans ménagement de ma rêverie, je me sentis rougir, pris en flagrant délit de fantasme. Je n'osais plus regarder la main, persuadé qu'elle avait suivi le cours de mes pensées. Elle jouait avec moi, m'appelait, venait titiller mes sens, remontant et descendant le long de la cuisse de mon voisin, glissant vers moi à la recherche d'un contact. La mienne, peut-être, l'attendait. Prête à la saisir ou à la parcourir cette cuisse. À explorer, à pétrir, à malaxer, à branler. À raconter à cette main inconnue comment elle s'y prenait pour me raconter dans mes rêveries, me caresser dans mes rêveries solitaires, prête à l'accompagner ou à lui laisser la main, il y avait beaucoup à dire et encore plus à vivre. Je ne comprends rien à ce que je lis, hein. Pour l'instant l'histoire est compliquée, mais bon. J'aurais voulu être plus sûr de moi. Aborder cet homme, au moins croiser son regard et voir s'il me faisait un même effet. Mais je restais figé, interdite, incapable de prendre l'initiative de cette rencontre. Je laissais donc mon esprit reprendre ses vagabondages, mon rendez-vous n'arriverait jamais, c'était bien ainsi. Au fond, il n'y a rien de plus érotique qu'une main. Bref. Petite introduction pour ceux qui nous rejoignent du raid. Je vous préviens. On va enchaîner. Est-ce qu'on s'en fait une... Non, on s'en fait une vraie, une longue. Une dure. Une grosse comme on aime. D'accord.
Celle-là, elle est un peu longue. Oh oh! Oh, j'en ai une. Oh, j'en ai une. Oh, les amis. On va arriver dans un moment assez intense. Donne-moi 4 mots et je te raconte une histoire. 4 mots. Corps, chambre, fenêtre, dehors. Comment ne pas détourner le regard devant un spectacle de désolation? Depuis combien de temps est-ce que je suis là? Antoine s'interroge. Combien de temps? Des années, des jours, des heures? Il tente de souffler, de respirer comme on lui a intimé. Mais comment? Affronter le regard des autres? Les regards des autres? Un sursis se compte désormais pour lui en minutes, en secondes. Il se vit au présent. Ah, c'est beau le présent, c'est la possibilité de l'action. Il lui a permis. De voir cette tache qui persiste sur la manche de son costume préféré, celle qui... Le costume en flanelle gris foncé dont il est aujourd'hui vêtu. Ah, les débuts, c'est toujours compliqué. De scruter les sillons de son visage dans le miroir assassin tendu inlassablement vers lui chaque matin. De souffrir jour après jour. Mais putain, mais ça, c'est pas bien écrit, hein. Bref. Blablabla. Blablabla. Bla, bla. Bref, alors, pour vous faire un résumé, hein, je lis en vitesse. On a un mec, il en peut plus, ça fait longtemps, tu vois, ça fait longtemps, quoi. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et là, il en a marre. Je sais pas ce qu'il fait, mais enfin bon. On y va. Il n'a pas toujours été ainsi, bien sûr, mais il a apprivoisé sa maison. La chambre, elle, se définit comme un espace d'intimité et de tranquillité, accommodé pour le confort et l'agrément. La chambre invite son occupant à la détente, à l'abandon ou à la satisfaction de ses désirs personnels. Ici, le blanc prédomine, la couleur des murs évidemment. Inès n'aime pas la couleur. Le blanc, c'est le vétéran de l'histoire de l'art. Il révèle la spatialité. Le modernisme a toujours été son credo et fut un temps... Clément aimait ça. Tes douze obsessions me font rire, disait-il. Dorénavant, ça l'agace. Tout n'est pas léger, tout n'est pas à interpréter. Dans ce moment d'arrêt, la non-couleur l'angoisse. Il ne veut pas penser, il ne veut pas être pitoyable, il veut déterminer, habiter, exister. Quitte à crever entre quatre murs, autant qu'il en ait choisi la couleur, merde. Car dorénavant, il sait que cette pièce n'est plus une chambre, mais une cellule. Pas celle du moine, mais celle du prisonnier. Prisonnier de son propre corps, prisonnier de l'instant. Cette nana, c'est juste une tornade. Même une folle. En tout cas... Un verre et direct, plus si affinité. C'est ce qu'il avait pensé d'Inès lorsqu'il s'était vu la première fois il y a 7 ans. C'est d'ailleurs ce que tout le monde pense. Et ça s'est avéré assez juste. Leur vie commune s'est bientôt résumée à beaucoup de clichés, hein, des emballements d'ados incontrôlables, la drogue pour la fête, la drogue pour le sexe, et puis bon, bah, le plaisir avant tout. Un truc qui fait mal au bide, l'envie de la sueur des corps qui dansent, l'ivresse d'une musique qui scande en boucle « Suck my dick, click my ass », bref. L'excitation du premier rail, l'animalité du prochain plan à 3, à 5, à 10, un cercle vicieux, vertueux, on y prend goût. 5 années de fête, ça valait le coup. Antoine essayait de s'en convaincre. Bah, tout ça c'est fini. La folle ronde s'est arrêtée un matin de janvier, net. Ils avaient trop bu, un peu trop ri, un peu trop pris la vie à la légère. Une chute ridicule, tout le monde riait encore. Inès s'esclaffait tandis que lui, gisant, le savait déjà que c'était le début de la fin. Pour ne pas sombrer dans l'ennui et dans la folie, il occupe son esprit en regardant par la fenêtre. C'est la magnifique Mariella qui en a eu l'idée. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un prénom, je pense. En flux constant, personnalité solitaire, corps sans cesse en mouvement, elle s'imposa après seulement 2 visites. Rapprochons son lit de la fenêtre. Rapprochons le lit de la fenêtre. Voyons, comment tu peux faire part à... Comment peux-tu faire à part regarder les gens, mon cher Antoine? Profite au moins des sentiments, des clignotements, des chevauchements de la ville, tu les aimes tant. L'infirmière vient quotidiennement pour les soins et pour tromper l'ennui. C'est le défilé permanent des copains en afterwork. Mariella, c'est un trouble pour lui. C'est Inès qui lui a imposé. Elle a débarqué un jour en disant « Cette petite va te tenir compagnie, s'occuper un peu de nous. » Mariella, c'est la désinvolture généreuse. Elle va et vient autour du lit. Après quelques minutes, elle oublie qu'elle est là. Elle profite de l'encadrement pour poser sa cuisse. Sa jupe s'ouvre. Il fait chaud. Elle prend un bain de soleil et dégrafe un bouton du chemisier rouge qui laisse entrevoir son sein. Généreux. Soudain, elle s'en va, laissant traîner sa main le long de son mollet, de l'intérieur de sa cuisse, frôlant son pénis en érection, comme un préliminaire, puis elle sort de la chambre pour rejoindre Inès.
Il les entend à présent gémir doucement au fond du couloir. Mais elle reviendra aussi pour lui. Inès aussi aime regarder par la fenêtre. Observer la vie des autres. Tous deux se sont toujours délectés de ce regard à distance sur l'intimité, les corps nus, les sales petites histoires, pour l'ennui. Pour Inès, la vie continue. Elle ne le voit pas comme un parasite. Elle n'est ni plus douce, ni plus attentionnée. Mais attends, mais c'est pas une histoire de cul, ça. C'est un truc qui existe réellement chez plein de gens. Enfin, c'est... Elle semble aussi avoir totalement intégré l'instant. Attends, mais... Attendez, hein, je continue l'histoire rapido quand même. Je me spoil, hein, mais... Mais pourquoi ce dessin aussi dégueulasse? Oh non, mais c'est triste, ça. Attends, c'est quoi, ça? Oh, on va pas dire ça, hein. Attendez. Photo... Mais en fait, la photo n'a rien à voir. Je pense que... Ah, mais je pense que la photo, c'est l'histoire d'après. Quadrille. Ah, oui. Non, parce que là, à la fin, il meurt. Là, je vous le dis, à la fin, il meurt, en fait. Il meurt en se faisant pépon. Voilà, c'est triste. C'est quoi, cette histoire? Ah, la photo... La photo, ok, la photo, quoi, mais... Ahem. Bien. Non, on va se faire la prochaine qui est celle de la photo. Aïe. Hop. Voilà la photo. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec... hein. T'as vu? Ok. Je n'aurais jamais voulu voir ça. Ok. Ah là là. Petite pause là, ça va vous, votre journée, tout ça? Ça va bien en ce moment? Les graphismes en mode WikiHow. Ouais, bah oui. Ouais. J'espère en tout cas que le décor vous plaît. On a un petit décor qui est assez agréable en vrai. Hein, je me suis donné, j'ai quand même travaillé. Hein. Je vous fais une petite pause quand même pour admirer le décor, mais on a quand même Pikachu. Et divers accessoires sur la table pour vous évoquer du plaisir. On a aussi le cœur. Pour rappeler qu'on est là pour parler d'amour ce soir avant tout. Uniquement de l'amour et des vrais sentiments. Pas du vulgaire sexe. Hein, c'est pas ça qui nous attire. Évidemment. Même si la prochaine histoire quand même... Ouais. Salut Solène. J'espère qu'il n'y a personne qui connaît de Hélène, de Marie ou de Thomas. Parce que les prochains personnages s'appellent Hélène, Marie, Thomas. Donc s'il y en a, évidemment, bonne chance. Vous allez beaucoup aimer. Marie, c'est la fille d'un de mes frères. Je connais les trois. Ok. Luan, tu vas redécouvrir Marie. Hein. Il y a Tom Gunn dans l'histoire. Ok. Hélène, ma belle-mère. Ok. On est bien. Superbe. Ok. Putain, j'aurais dû mettre des baskets. Hein, parce que j'ai mal aux pieds à rester debout comme ça. Thomas, le copain d'un de mes frères. Ah ouais. On va y aller. Attention. Marie avait tout pour être heureuse. L'homme sur lequel elle avait jeté son dévolu il y a quelques années s'était révélé être un bon mari. Elle voyait des amis, elle sortait souvent. Néanmoins, elle ressentait souvent cette sensation de manque. Elle trouvait sa vie un peu vide. Elle aurait voulu y ajouter un petit quelque chose, mais quoi ? Un brin d'inattendu, de fantaisie. Une façon de faire dérailler sa routine aussi agréable que prévisible.
Ce matin-là, elle se regardait dans le miroir. Circonspecte. Sa peau était pâle, rose par endroits, sans défaut. Ses seins étaient ronds et fermes, de la taille de petites pommes. Elle les prit dans ses mains, fit passer ses pouces sur les tétons rosés. Sa taille bien prise ouvrait sur des hanches étroites, des fesses hautes et bombées. Entre ses jambes fuselées, son sexe faisait son timide, entièrement caché par ses grandes lèvres bien fermées et une modeste toison bouclée, aussi rousse que ses cheveux. C'est possible ça ? Thomas ? Chérie ? Appela-t-elle, dans l'espoir qu'il n'ait pas déjà quitté la maison. Pas de réponse. Marie soupira et s'allongea sur le lit, reprit ses seins dans ses mains et continua à caresser les tétons. Elle ferma les yeux, s'imaginant entre les mains expertes d'un amant chevronné. Non, deux. Musclés. Bien membrés. Très vite, ses tétons devinrent durs, ses seins gonflés. Elle sentit l'humidité familière lui tremper le haut des cuisses. Lentement, sa main gauche lâcha son téton, presque à regret. On n'a jamais assez de mains. Puis elle attrapa la bouteille de lubrifiant à côté du lit. Non pas qu'elle eût besoin du contenu, mais le contenant, lui, long avec son bourron, avait la forme idéale pour servir de pénis d'appoint. Elle l'introduisait dans sa cavité intime. D'abord timidement, en douceur. Son souffle devint court. Puis les va-et-vient s'intensifièrent. Sa seconde main abandonna sa poitrine pour venir s'intéresser à son clitoris gonflé. Elle le caressa du bout de l'index, en cercle, sentant le plaisir monter. Si vite. Trop vite ! Elle jouit. Ah ! Laissant échapper un long gémissement. Et retomba les bras en croix, haletante. Le sexe encore palpitant. Marie se sentait soulagée mais pleine d'amertume. Une émotion bigarrée qu'elle ressentait à chaque fois après avoir joui. Son entrecuisse dégoulinée. Son vagin pulsé comme si son cœur s'était déplacé de sa poitrine à son intimité. Son corps et son esprit étaient en harmonie autour de la même idée. Il lui en fallait plus. Seulement, elle n'allait pas attacher Thomas au pied du lit, prête à satisfaire à tout moment sa libido débordante. Elle eut une pensée fugace pour sa voisine, Hélène, qui exhibait sa plastique superbe dans son jardin à chaque rayon de soleil. Marie ne comptait plus les fois où, ivre, elles avaient bien failli franchir le pas. D'ailleurs, le mari d'Hélène, Eric, merde, c'est mon père, n'était pas mal, lui non plus. Cela étant, quand Thomas n'était pas d'humeur, ce qui arrivait hélas de plus en plus souvent, elle se surprenait à lorgner tout à chacun, et même des objets, des pensées sexuelles, sensuelles plein la tête. Avant de s'attacher à ses tâches habituelles, c'est fort ou pas là ? Non, ça va. Marie s'habilla avec un soin particulier. Elle aimait ne laisser personne indifférent, qu'on la regarde à chacun de ses pas. Aussi profitait-elle de l'absence de son époux, négligent mais jaloux, pour enfiler un short et un jean particulièrement court et moulant. On aurait dit un sous-vêtement. Elle l'agrémenta d'un haut blanc sans manches, très décolleté, au tissu si léger qu'il en devenait transparent. On distinguait ainsi son soutien-gorge en dentelle. Le temps d'aller faire les courses, elle pourrait se gorger des regards, tantôt gourmands, tantôt envieux, qui se poseraient sur ses courbes, sur son jeune corps et délié. Elle prenait soin de marcher en balançant ses hanches, la peau nue et laquée d'une huile satinée. De quoi lui faire oublier qu'elle allait juste faire quelques achats en centre-ville. Au bout de la rue, elle croisa un jeune couple. Lui se dévissa la tête pour la regarder passer. Elle, ambivalente, semblait partagée entre respect, indifférent et envie de meurtre. Ah ! Les couples étaient les passants préférés de Marie, juste après les trois petits vieux sur le banc. Tu sais, là c'est la photo avec la meuf qui est comme ça, le mec qui est retourné comme ça, et la meuf qui est en mode... C'est cette photo-là, là. C'est exactement cette photo-là. Un cul pareil, on en mangerait. On a plus de dents, hein. Moi j'irai tout lui lécher, pas qu'une fois. Les gars, vous me faites honte. Oh, garde à vous, merde. C'est comme ça qu'on s'occupe d'une dame. Quoi ? Waouh. Ça, c'est les commentaires des gens. Ça, c'est les commentaires des gens, soi-disant. C'est censé être excitant, ça. Marie adorait ces trois vieux, qui trouvaient le moyen de faire chaque jour un commentaire différent sur son corps. Putain, c'est bien la première meuf qui adore se faire harceler dans la rue, tu sais. Une femme passa, lui décrochant un regard réprobateur. Elle lui répondit par un sourire radieux. Elle appréciait aussi la rancœur bien naturelle de celles qui n'osaient pas dévoiler leur charme, ou qui n'en avaient pas les moyens. Comme la boulangère chez qui elle arrivait, justement. La commerçante semblait avoir renoncé depuis longtemps à user du pouvoir de son corps de femme et à vouloir faire payer celle qui restait parfaitement armée. Joviale avec les autres clients, elle mettait toujours un point d'honneur à rester monosyllabique quand arrivait le tour de Marie. Ce n'était que la première course de la journée, et déjà, ses joues étaient roses, son entrejambe chauffée et mouillée,
son souffle se faisait court. Derrière sa patronne acariâtre, l'apprenti boulanger lui faisait signe. Il lui montra deux grosses miches avec un sourire appréciateur. La blague était pas terrible, mais le torse impeccablement musclé du jeune homme lui valut un sourire gourmand. Elle se rendit ensuite à l'épicerie. C'est une meuf qui fait bander tout le quartier en fait. Hein. Et elle aime ça. Hein. Son short serré frottait contre son entrejambe, faisant naître un début de plaisir. C'est possible ça les filles? Ça vous arrive des fois juste le short... Comme ça tu marches là et t'es contente? Le reste de la journée fut à l'avenant. Une fois rentrée, Marie aurait tout donné pour une séance de sextoïde qui soulage enfin cette délicieuse brûlure. Mais son mari, à milieu de son humeur à elle, passa la fin d'après-midi à discuter avec le voisin. Il jetait des fréquents coups d'œil à Hélène avec des airs de conspirateur. Elle ne pouvait pas vraiment lui en vouloir. Sa beauté brune était aussi incendiaire que voluptueuse. Elle aussi s'y attarda. Bien en chair sans pour autant être grosse, Hélène promenait un fessier rebondi et une poitrine impressionnante. On ne pouvait s'empêcher de l'imaginer toute nue. C'est ce que fit Marie sans vergogne. Elle soupira. Dans l'état où elle se trouvait, il allait falloir que Thomas s'occupe d'elle ou n'importe qui d'autre. Sans quoi, elle envisagerait même de se taper le trio de petits vieux. De quoi leur donner un avant-goût du paradis. Toutefois, le soir venu, son mari ne semblait pas disposé à batifoler. Il ne semblait même pas remarquer la nuisette presque transparente que Marie avait enfilée pour l'exciter. Mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec, sérieusement? Et pour cause, il s'était mis en tête de préparer le dîner. Lui qui plaçait habituellement tous les plaisirs de la chair au même rang de trivialité. Il lui servit en prime plusieurs verres de leur meilleur whisky, ivre de bonne chair, de sommeil et d'alcool. Marie ne ressentit bientôt plus la moindre flamme dans son bas-ventre. Elle n'avait qu'une envie. Dormir. Soudain, elle rouvrit les paupières, en sentant une main lui caresser le visage. Il faisait encore nuit noire, et Marie se sentait ailleurs, tiraillée entre veille et sommeil. Des lèvres se joignirent bientôt aux siennes. Thomas ne l'avait à présent jamais embrassé de cette manière. Alors si c'est Thomas, je tiens à dire qu'il est très flippant, tu fais pas ça. Tu n'embrasses pas ta meuf comme ça pendant qu'elle dort, quoi. Bref. D'abord des baisers délicats, légers. Salut Alexis. D'abord des baisers délicats, légers. Au goût sucré, auquel elle ne put s'empêcher de répondre. Ils se firent alors langoureux, passionnés, leurs langues s'entremêlant, se caressant. Ouais, je sais, Chips. Hein. Oh, j'essaierai, j'aime bien me prendre des patates. Un feu se répandit en elle. Elle se sentit rougir, désarmée sans doute par les résidus d'alcool dans le sang. Il commença à... Même moi aussi, en fait. Hein. Moi aussi, en fait. Hein. Genre, même dans l'autre sens, c'est horrible. Donc, tu ne réveilles pas comme ça, quoi. Il commença à semer une nuée de petits baisers dans son cou. Une sensation merveilleuse, inédite. Soit elle faisait un rêve érotique incroyable, soit le whisky avait un effet aphrodisiaque inespéré sur Thomas. Il la prit dans ses bras, la redressant dans le lit, la serra fort. Oula, la bouche enfuit dans son cou. Puis il recommença à l'embrasser, tout en passant les mains sur ses seins. Il caressait ses tétons, les pinçait doucement pour finalement décider d'y poser la bouche. Sa langue passait d'un sein à l'autre, les léchait, en mordillait les bouts. Marie ne savait plus où elle était. S'il faisait cela depuis 5 minutes ou 30, mais elle se mit à gémir d'impatience. Son sexe exigeant avait, comme sa vie, besoin d'être rempli. Au bout de ce qui lui sembla être une éternité, son mari la poussa doucement en arrière et entreprit de descendre vers son bas-ventre en la couvrant de baisers. Sa bouche vint titiller son clitoris, l'embrasser, le sucer. Thomas introduit deux doigts dans son vagin tout en continuant à la lécher, sa langue effectuant des mouvements circulaires sur son clitoris. Elle jouit bruyamment, laissant éclater sa joie, son bonheur même. Putain, viens en moi! Putain, viens en moi! Exigea-t-elle. Elle voulait le sentir en elle tout de suite. Pourtant, non. Se contentant de s'allonger sur elle, frottant sa vergue contre son sexe. Elle était grosse, dure comme du bois, et la friction envoyait des décharges de plaisir dans tout son corps. Les mains de Marie s'accrochaient à son dos comme un naufragé à une planche. Tout à ses sensations, elle s'agrippa de plus en plus fort, jusqu'à ce que ses ongles ripèrent sur sa peau, le griffant durement. J'espère que t'as mis un casque. Vas-y, mais passe-lui le téléphone, elle va adorer. Les mains de Marie s'accrochaient à son dos comme un naufragé à une planche. Tout à ses sensations, elle s'agrippa de plus en plus fort, jusqu'à ce que ses ongles ripent sur sa peau, le griffant durement au passage.
Elle eut à peine le temps de ne s'en vouloir qu'il l'embrassa une nouvelle fois, chaque baiser se révélant plus sensuel que le précédent. Ah, elle est au courant ou quoi? Attends, me dis pas qu'elle m'écoute, hein, ça me ferait... ça. Hein, là je pourrais plus jamais la regarder dans les yeux. Hein. Elle décida alors de prendre l'initiative, le repoussant pour mieux embrasser son torse, son ventre. Bon, dans ce cas-là, vas-y, hein, fais-lui le téléphone. Hein. Y a pas de soucis, hein, ça peut être drôle. Puis elle prit son sexe durci dans sa main et donna des petits coups de langue sur le gland. Tel un petit chien qui te lèche, tu sais. Elle ne l'avait jamais connu aussi long, ni aussi épais. Attends, il va falloir te poser des questions quand même au bout d'un moment, là, meuf. Hein. Thomas semblait être dans une forme olympique. Un peu de liquide y perlait déjà. Le goût était loin d'être désagréable, légèrement salé. Apparemment, elle l'avait jamais fait pour avant. Le goût était loin d'être désagréable, du coup, elle explora sa verge avec la langue, léchant sur toute sa longueur chacune des veines gonflées. Elle tenta sans succès de le prendre tout entier dans sa bouche, qu'elle n'avait pas assez profonde. Puis, elle en eut assez. L'impatience se faisait urgence. « Prends-moi !» lui dit-elle à son oreille. Thomas fut tout aussi doux en la pénétrant, contrairement à d'habitude. Le désir de Marie, toutefois, ne s'accommodait plus d'aucune délicatesse. D'un coup de rein décidé, elle fit entrer en elle le sexe de son mari jusqu'à la garde, et il y laissa échapper un gémissement. Calquant son rythme sur le sien, il la pilonna sans ménagement, faisant monter encore son plaisir. Lorsqu'il s'arrêta d'un coup, elle eut un cri de protestation. Il la prit dans ses bras, la retourna, et partit dans une furieuse levrette, courbée sur elle, la main entre ses jambes, recommençant à titiller son clitoris. Marie ne savait pas qu'il était possible d'éprouver une sensation pareille. Ses gémissements grimpèrent en intensité. Elle sentait les parois de son sexe se contracter. N'y tenant plus, elle laissa échapper un ultime râle. Quelques instants après, Thomas jouit à son tour. Ils s'écroulèrent ensemble sur le matelas, à bout de souffle, repus. Marie brûlait de lui demander d'où il tirait ses nouvelles connaissances. Son mari n'était pas du genre à lire le Kama Sutra. Il n'était en fait pas du genre à lire du tout. Qui avait pu lui enseigner tout ça? Une maîtresse? Encore ivre d'extase et de whisky, elle s'endormit sans s'en rendre compte, remettant ses questions à plus tard. Mais c'est qui le fils de pute qui est rentré dans sa chambre pour la ken sans lui dire là, attends, je suis désolé, mais c'est bizarre ça. Bientôt, le week-end fut là, sans que son compagnon ne daigne plus la toucher, à sa grande déception. Le samedi, ils avaient invité les voisins à un barbecue. L'été était caniculaire, le thermomètre frôlait les 40 degrés. Armé de parasols et de rafraîchissements, il tentait de lutter contre la chaleur écrasante. Hélène ne cessait de tarabuster son mari pour qu'il enlève son t-shirt. Enlève-le. Mais enlève-le, enfin, t'es ridicule. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce mari là? Qu'est-ce que j'ai épousé là, hein? Oh, mais oh, hein? Il ne fait pas si chaud. Mais tu plaisantes, t'es tout rouge et t'es en âge. Arrête un peu de te faire prier. Et ainsi de suite. Marie trouvait leur obstination réciproque, un peu ridicule. Pourquoi faire tant d'histoires pour un t-shirt? De la part d'Hélène, cela ne l'étonnait pas trop. Elle était aussi sexy que sa mère poule. Lui, en revanche, suivait d'habitude volontiers ses directives, sans pour autant la faire taire parce qu'elle avait finalement souvent raison. Tout en sirotant sa bière, Marie détaillait Hélène. Ses longs cheveux noirs ondulés cascadant dans son dos. Sa peau couleur de miel caressée par le soleil. Elle ne portait qu'une légère jupe de coton blanc qui volait au vent et un haut de bikini bleu étriqué. Sa poitrine spectaculaire rebondissait à chaque mouvement. Énorme ! Ses seins paraissaient mener un combat permanent contre la gravité et représenter un spectacle à eux seuls. Marie oscillait entre jalousie et fascination. Comment ça mon accent ridicule ? Soudain, la femme accrochée à cette fabuleuse poitrine souleva par surprise le fameux t-shirt. Eric était de dos, et Marie ne put ignorer les traces de griffure. Le regard coupable qu'il lui jeta acheva de la convaincre. Mais non. Mais non ! Elle se tourna vers Thomas. Lui non plus n'avait pas l'air tranquille. Il évitait son regard. Seule Hélène se comportait normalement. Ces deux salopards avaient comploté pour qu'Eric couche avec elle. La même nuit, Thomas avait fait de même avec Hélène. Est-ce que celle-ci s'en était rendue compte? Sonnée, Marie continua à boire sa bière, se demandant comment réagir.
Les deux coupables semblaient avoir conclu qu'elle ne s'était aperçue de rien. C'est horrible de faire ça. Salut maman. Ah, je te conseille pas de rester parce que là on arrive dans deux pages, ça va être compliqué. Puis, elle se mit à regarder Eric. À la dérobée. Après tout, se dit-elle, puisque tout le monde s'amuse, moi aussi j'ai le droit de jouer. Il était pas mal du tout. Athlétique, les muscles bien dessinés, le ventre plat. Il avait les épaules larges, des cheveux bruns épais, de beaux yeux foncés. Sa peau hâlée et lisse était un appel à la sensualité. Il donnait l'impression de pouvoir vous soulever à la force des bras pour vous faire l'amour debout. Il apparaissait comme la solution parfaite pour égayer la vie sexuelle de Marie. Elle eut une pensée pour Hélène, mais après tout, ce qu'on ignore ne peut pas faire de mal. Elle s'approcha donc d'Eric sous prétexte de demander un rafraîchissement. « Oui, comme papa, j'ai déjà dit maman. » « Entre nous, » lui dit-elle à l'oreille, « ce sera où je veux, quand je veux, où je raconte tout à Hélène. » Hélène le sait, et elle s'en fout. Lui rétorqua-t-il sur le même ton. « Nous sommes un couple libre. Cela étant dit, si tu as envie de remettre ça, je ne dirai pas non. » Stupéfaite, Marie resta figée, son assiette à la main. « Je vais aller me reposer un moment, hein. Le soleil m'a un peu tapé sur la tête. » Prostrée sur son lit en position fœtale, elle se dit que la vie était vraiment mal faite. Que les hommes étaient des salauds. Qu'elle aurait dû savoir que Thomas n'était qu'un sale opportuniste. Hélène était une traîtresse et Eric un connard méprisant. Elle commençait à sérieusement s'apitoyer sur son sort quand Hélène toqua à la porte de sa chambre. Ce n'est pas le soleil qui se met dans cet état, hein. Bah tu sais bien que non, dit Marie. Et il paraît que tu t'en fous. Alors c'est ça qui n'allait pas ? Dit-elle en s'asseyant sur le lit. Tu n'étais pas du tout au courant pour cette histoire d'échange, hein. Marie ravala la remarque cinglante qu'elle s'apprêtait à lancer et la toisa. Elle s'était redressée, leur visage était tout proche. Bah non, j'étais pas au courant. Et le pire que si Thomas m'en avait parlé, j'aurais sans doute accepté. Là, j'ai juste envie de me venger. Il m'a assuré que tu savais. Je pensais pas qu'il te ferait un coup pareil. Quoi qu'il en soit, je serai toujours de ton côté. Sois-en certaine, dit Hélène en lui posant la main sur le bras. Elle baissa les yeux. La poitrine de sa voisine était encore plus scandaleuse vue de près. Sans réfléchir, elle posa sa main dessus. Hélène sourit et l'embrassa. C'était un baiser doux et lent, au goût de miel. Sa langue jouait avec la sienne. Elle s'interrompit pour lui arracher sa robe informe. Il faut qu'on fasse vite. Marie ne put résister à la tentation de retirer le haut du bikini bleu pour admirer la superbe poitrine qui lui faisait de l'œil depuis si longtemps. Elle se mit à pétrir doucement les seins d'Hélène qui débordaient largement de ses mains. Celle-ci, de son côté, faisait tourner ses tétons entre ses doigts. Marie était en feu. La peur ou l'espoir que son mari ne les surprenne ne faisait qu'ajouter à l'embrasement de ses sens. Elle voulut frotter son sexe contre lui de sa partenaire, mais celle-ci ne l'entendit pas de cette oreille. Elle lui arracha brutalement sa culotte et enfonça trois doigts dans son intimité trempée. Et vlan ! Bam ! En plein dans la chatte ! Pardon. Tout en la caressant, elle s'était mise à lui sucer un téton. Et c'était incroyable. Elle aurait voulu que cela dure pour toujours. Qu'il soit possible de prolonger une sensation pareille au-delà du raisonnable. Alors, malgré l'urgence, elle tentait de penser à autre chose, de se détendre les muscles. Tout pour ne pas jouir tout de suite, pour profiter encore un peu de cette impression que le plaisir ne cesserait jamais de monter. Au moment fatidique, elle dut se mordre les lèvres pour ne pas crier. Elle aurait pu poursuivre le jeu plus longtemps, mais Hélène lui dit de se rhabiller très vite. Après ça, de se rhabiller, quoi. Bien lui en prit. Le temps de reprendre leur souffle, on entendit des pas s'approcher de la chambre. Thomas apparut, l'air bonhomme et serein du mari à l'esprit tranquille venu s'enquérir de la santé de sa femme. Marie n'avait jamais eu autant envie qu'en cet instant de lui arracher les yeux. Au lieu de cela, elle attendit le départ d'Hélène puis lui dit « Thomas, il faut que je t'avoue quelque chose. Avant le sexe, je n'avais jamais trop vu l'intérêt. Mais hier, c'était magique. Maintenant, je comprends pourquoi ça rend les gens dingues. J'ai tellement hâte que tu me refasses toutes ces choses incroyables. J'ai découvert grâce à toi qu'une langue pouvait faire jouir en quelques minutes. Et ta queue, mon Dieu, jamais tu ne m'avais rempli de la sorte. J'avais parfois pu être frustré ou déçu, mais là, je dois bien avouer que je dois revoir mon jugement. Tu m'as crucifié, mon pote. » Tu me laisseras me faire prendre dans un club devant toi comme tu me l'as proposé. Tu me reprendras à nouveau debout contre le mur. Et tu m'en comme tu l'as fait. D'ailleurs, je ne crois pas que mon corps ne s'en... Je crois que mon corps s'en est pas remis encore. Excuse-moi pour les petits coups de fatigue. J'en ai toujours les jambes coupées. Impassible, Thomas regardait par la fenêtre. Dans le jardin, Eric continuait à s'occuper des saucisses.
l'air content de lui, le torse insolent. À ses côtés, la sensualité d'Hélène débordait de sa petite robe toute fripée. L'expression de Thomas, à ce moment-là, procura à Marie le plus beau des orgasmes. Oh, c'est beau ça! Elle est bien à la fin de celle-là. Elle est bien à la fin de celle-là. En vrai, la fin de celle-là, elle est vachement bien. Le côté je me fous de ta gueule et au final la meuf elle kiffe et après elle se venge en lui disant putain mais mec mais incroyable hein. C'est la seule histoire à peu près intéressante. Eh oui. Eh oui. Alors celle-là c'est non, elle est immense. Je sais qu'il y en a une qui est immense, mais vraiment genre immense. Voilà, c'était celle-là. Ok. Après on a fait la moitié du livre hein. On s'en fait une dernière rapido, une petite courte là, une petite courte un peu dégueulasse. Ok, celle-là. Et après, on arrête le stream et j'en lance un normal. En mode juste normal, ok. Tu me diras, faut que j'en mette la caméra et tout, donc je pense que je vais carrément arrêter le stream après. Enfin, on verra, ou alors j'en mettrai la cam rapido, on verra. Ah, on a le temps, ok. Allez, la dernière. Quand même, hein, 2 heures. Et celle-ci s'appelle Tableau de chasse. Initiée toute jeune au plaisir saphirique, elle a eu beaucoup de petites amies et quelques autres petits amis qu'elle rencontrait dans les bars. Ma toute première amie, c'est celle à qui je me suis confié en toute sincérité, sans pudeur ni aucune arrière-pensée. Celle à qui j'ai raconté tout ce qui se passait dans le secret de mon cœur. Comme je le faisais quelques années auparavant avec les ours en peluche ou les poupées. Cette relation d'amitié pure et inconditionnelle, je l'ai connue à 15 ans et demi avec une voisine de mon âge qui fréquentait la même école que moi. On était inséparables, et quand on est partis ensemble en vacances dans une maison que mes parents avaient dans les cantons de l'Est, les gens pensaient qu'on était sœurs ou cousines, tellement on était semblables, tellement on était pareils. Et puis, inévitablement, on a eu des parcours qui ont commencé à s'écarter l'une de l'autre, et la vie s'est chargée de nous séparer. On s'est perdu de vue par la force des choses. Il faut dire qu'elle s'était mise à sortir avec des garçons alors que moi ça m'intéressait pas. Moi j'étais plus à l'aise avec les filles de mon âge ou même les femmes. Je veux dire les femmes adultes. N'allez pas imaginer des relations coupables et sulfureuses car je n'étais à l'époque pas réellement intéressé par la sexualité. Ça a d'ailleurs duré comme ça pendant des années. J'étais complètement innocente, bien plus en quête de complicité féminine, de vraie tendresse et de compréhension. Autour de moi, mes copines commençaient à s'intéresser aux garçons. Mais je participais pas vraiment à leur soirée, je ressentais la présence des derniers garçons là comme une intrusion dans un univers d'adolescente où ils n'avaient rien à foutre. Cette situation a duré quelques années au cours desquelles je sentais bien que je commençais à m'isoler de plus en plus, et c'est sans doute à cause de ça que j'ai commencé à ressentir de l'attirance assez trouble, puis des vrais sentiments amoureux à l'égard des femmes. Mon premier grand amour s'appelait... Marie. Encore Marie. Je l'ai rencontrée le jour de mon anniversaire. J'avais 19 ans. Un ami l'avait emmenée à la fête que j'organisais pour mon anniversaire. Ça a été le coup de foudre, immédiat. Une passion qui a duré 3 ans. Avec elle, j'ai découvert la complicité des âmes, mais surtout le plaisir physique. Contrairement à beaucoup de copines qui passaient allègrement de garçon en garçon, tous aussi fougueux et pressés les uns que les autres et qui n'accordaient que peu d'intérêt à leur plaisir, j'ai toujours connu l'orgasme. Marie, après m'avoir initié à l'amour entre filles, est partie vivre avec une bande de lesbiennes. Peut-être très marrante, mais aussi agressive. Elles m'ont proposé de les accompagner, mais j'ai refusé. C'était mon rêve de fusion avec Marie qui prenait fin, et je préférais tout arrêter plutôt que de la voir si proche et si loin de moi. À partir de là, j'ai choisi de me griser de rencontres pour me consoler, et j'ai eu beaucoup de petites amies que j'ai rencontrées beaucoup dans des bars. Ça ne durait jamais très longtemps, et je prenais le meilleur et puis je mettais un terme à l'aventure. La seule aventure qui ait vraiment compté à cette époque s'appelait Jennifer. Jennifer. Ah, Jennifer. Une américaine qui vivait dans une famille montréalaise pour apprendre le français. On a passé quelques mois merveilleux ensemble jusqu'à ce que l'été arrive et marque la fin de la session universitaire. Elle est retournée alors chez elle à Boston. J'avais encore en mémoire sur ma peau et au creux de mon corps la sensation excitante et apaisante de ses caresses expertes lorsqu'elle m'annonça quelques mois plus tard par internet qu'elle allait se marier. C'est ce qui a commencé à me faire réfléchir. En dehors de Marie, presque toutes mes maîtresses étaient ou alors devenaient bisexuelles. Pourquoi pas moi ? Je reconnais que je ressentais un certain trouble quand je rencontrais un garçon séduisant, puis le fait d'être toujours vierge commençait à m'énerver. J'ai décidé d'en finir et de faire une tentative. C'était pas difficile de trouver un partenaire, femme ou homme d'ailleurs parce que je suis plutôt joli. Le premier homme inscrit à mon tableau de chasse masculin s'appelait Arthur. Ha !
un prénom gentiment désuet qui lui allait très très bien. Grand, assez bien bâti, les cheveux un peu longs, des lunettes rondes, pas très musclé, mais il avait un sourire craquant et un charme fou. Il m'a dragué dans un café où je prenais un petit déj avec des amis, après une folle nuit dans les bars. Il avait sûrement un peu bu, mais après tout, moi aussi. Après tout, on m'appelait Solène la Pochetronne. Et je le trouvais plus calme, plus rassurant que tous les autres dragueurs de l'endroit. À son grand étonnement, c'est moi qui lui ai proposé d'aller chez lui, sans équivoque, sans faire de mystère à propos de ce qui allait se passer par la suite. L'embrasser et le caresser ne me posait absolument aucun problème. Pour moi, à 600 km, la distance n'était pas un problème. Et si j'avais peur d'aller explorer son corps sous sa ceinture, j'en crevais néanmoins d'envie. Ma langue serait assez longue. C'est bête à dire, mais je n'avais jamais touché à un pénis de ma vie. Et je comptais bien commencer par assouvir ma curiosité. Comme il était doux et sympathique, j'ai décidé de lui dire la vérité. Il fut un peu surpris d'apprendre que j'étais lesbienne et vierge, mais finalement, ça l'a plutôt stimulé. Il fut très diplomate et tout se passa très bien. Bien sûr, je n'avais aucune crainte quant au passage de l'hymen, car les godemichés utilisés par Marie et Jennifer avaient déjà fait le nécessaire pour ouvrir le passage. Arthur avait un très beau sexe, long et d'une épaisseur bien équilibrée. Je l'ai un peu sucé et j'ai tout de suite trouvé ça très agréable. Mais quand il s'est attaqué à ma petite chatte blonde, j'ai senti la différence. C'était pas une langue de fille, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier. Sa fougue désordonnée remplaçait le savoir-faire de mes maîtresses. Et puis, je trouvais ça fascinant de le faire bander un homme. C'était nouveau pour moi de voir cette queue toute violette et gonflée de sang se retrousser, violette, se décaloter et se redresser bien raide, rien que pour moi. L'excitation est montée, petit à petit, et la pénétration qui m'effrayait un peu s'est passée sans douleur. Ouais, violette. Je dois avouer que je n'ai pas eu d'orgasme. Sans doute étais-je trop tendu et trop concentré pour jouir, mais malgré cela, j'étais satisfaite et heureuse. Je suis reparti dans un état bizarre, ne sachant plus très bien qui j'étais. Il y avait quelque chose de très nouveau dans tout ça. C'était le sperme. Ce nectar au pouvoir si étrange. N'ayant pas de préservatif, et comme je ne prenais pas la pilule, Arthur avait pris la sage précaution de se retirer aussitôt qu'il avait senti monter l'orgasme, et avait fini par jouir en éjaculant sur mon ventre. Ouais, mais le préséminal, ça existe. Giclant même si puissamment qu'un peu de foutre m'avait éclaboussé les seins. Bon, ça c'est rien, ça. Je peux dire que quand ça part comme une balle, ça va jusqu'en haut du mur, hein. À partir de ce jour, je n'ai eu plus qu'une idée en tête. Découvrir les hommes et les connaître aussi bien que je connaissais les femmes. Je sortais déjà beaucoup la nuit. J'adore danser, et ça, c'était pas pour me calmer. J'ai simplement changé de style de bar, afin d'être sûr de rencontrer des mecs valables, et pas trop machos. C'est possible ça? Néanmoins, j'ai passé plusieurs nuits avec des amants décevants, sympathiques et drôles, mais incapables de donner du plaisir à une femme. Surtout pas à une femme qui s'y connaît en ce qui concerne les raffinements du sexe au féminin. Et puis un soir, je suis tombé sur deux copains. Un brun qui s'appelait Gwen. Et un blond qui s'appelait Alwen. Nous avons beaucoup parlé de sexe autour d'une coupe de champagne, et mes histoires de cul avaient l'air de les passionner. Le fait que je n'atteigne jamais l'orgasme avec un homme semblait devenir pour eux une affaire personnelle, et ils m'ont juré de ne pas déborder tant que je n'aurais pas joui. En vrai chevalier servant, ils se donnaient comme défi de m'envoyer au 7e ciel. Bien sûr, à l'instant, cela m'a fait rire, mais en y réfléchissant quelques minutes, j'ai trouvé que l'expérience valait le coup d'être tentée. On va dire Manuel et Sébastien, ça va être mieux. Hein. En vrai, parce que je vais pas réussir à lire, sinon je suis désolé, mais là j'avais pas prévu ce genre de merde. Déjà dans l'ascenseur, les garçons m'embrassaient dans le cou. Normalement, je pense que de toute façon, il y aura plus leur... Ah si, il y a encore leur nom. Déjà dans l'ascenseur, les garçons m'embrassaient dans le cou, tout en me tripotant les fesses, cherchant à soulever ma jupe pour découvrir mes sous-vêtements. Moi, je palpais leur braguette gonflée. Alwen, Sébastien, bandait très dur. À travers le tissu de mon pantalon, je devinais une bite d'au moins 20 cm et suffisamment épaisse pour bien remplir ma chatte. Celle de Manuel bandouillait, mais elle semblait presque aussi grosse que celle de Sébastien. Même sans atteindre une érection complète, j'ai subitement stoppé l'ascenseur entre deux étages et je me suis mis à genoux. Puis, puisqu'il prétendait pouvoir bander toute la nuit, autant les mettre à l'épreuve tout de suite. J'ai fait glisser la fermeture éclair de Sébastien, et j'ai fait sortir la queue de son slip. Quelques coups de langue pour commencer, puis j'ai enfourné sa queue dans ma bouche. J'arrivais à le sucer jusqu'à la moitié de son membre, pendant que Manuel me caressait les cheveux, tout en se massant à travers son jean. J'ai entendu le bruit de sa braguette, et j'ai tourné la tête, juste au moment où il sentait son engin. Blablabla. Comme je le soupçonnais, sa queue était encore plus grosse que celle de Sébastien. Je l'ai aussitôt prise dans ma main, et j'ai continué à les sucer tour à tour, collant leurs glands sur mes lèvres. Puis je leur ai demandé de jouir. Je voulais goûter leur foutre avant qu'ils me prennent.
Les deux garçons ne se sont pas fait prier. Sébastien a joui le premier, déversant un sperme chaud et épais sur ma langue. À peine avais-je fini de l'avaler que Manuel lâchait son foutre sur mon visage. De longues coulées dégoulinaient jusqu'à mes lèvres. Je me relevais et finis de m'essuyer, tandis que Sébastien faisait redémarrer l'ascenseur. Quelques secondes plus tard dans l'appartement, il ouvrait une bouteille de mousseux alors que Manuel s'empressait de me retirer la robe. Ils furent tous les deux ravis de voir mes sous-vêtements noirs, très porte-jartel. Particulièrement les porte-jartel. J'aime les femmes, mais je sais ce qui excite un homme. Les garçons ont commencé à me caresser. Ma petite culotte s'est très vite retrouvée sur le tapis, alors que la langue de Sébastien commençait à jouer avec mon clitoris. Je sentais un réel plaisir montré en moi, et pour la première fois, je comprenais le plaisir que pouvait ressentir Lorraine dans ses ébats avec son Lily. C'était un homme qui me le procurait. Manuel m'a proposé une nouvelle position, afin que je puisse recevoir leurs deux langues entre mes cuisses. Manuel s'est allongé par terre, et je me suis assise à califourchon sur son visage. La langue pouvait ainsi fouiller ma chatte sans difficulté grâce à la technique du face-sitting. Je me suis baissé pour que mes lèvres atteignent sa queue, qui rebandait déjà. Pendant que nous pratiquions ce sympathique 69, Marc, qui était derrière moi, me léchait le cul avec bonheur. Sa langue passait et repassait sur le sillon de mes fesses, puis s'arrêtait sur mon petit trou, l'agaçant par de petits titillements très excitants. Puis j'ai senti sa langue s'immiscer franchement dans mon anus, alors que celle de Manuel tournait savamment autour de mon clitoris sensible. Salut Streamrunners! Le plaisir montait en moi, et quand j'ai senti le gland de Manuel se positionner sur mon petit trou, j'ai été prise d'un violent orgasme. Mes partenaires étaient aussi enchantés que moi, et nous avons fêté ça pendant quelques verres de mousseux. Sébastien m'a fait sauter un nouveau bouchon, en prenant bien soin de faire gicler la mousse sur mon corps. Aussitôt, Manuel s'est mis à lécher l'alcool qui dégoulinait sur mes seins et sur ma chatte. Sébastien a sorti une petite caméra vidéo, afin qu'il me reste un souvenir de cette soirée unique. L'idée de pouvoir me voir en train de jouer la salope avec ces deux types a fait redoubler mon excitation. Ah, franchement, jouer la salope! Je voulais absolument me faire prendre par derrière, tout en ayant une bite dans la bouche. Nous nous sommes installés sur le canapé et j'ai commencé à sucer Manuel pendant que Sébastien m'écartait les fesses pour me préparer à le recevoir. J'étais bien préparé à Manuel. Pourquoi cette phrase? Pourquoi cette phrase rajoutée au milieu, là? Genre, pendant que Sébastien m'écartait les fesses pour me préparer à la recevoir. J'étais bien préparé à Manuel, hein! Je pus m'empêcher de gémir en sentant cette nouvelle queue me perforer le cul. Une fois la première douleur passée, je l'ai encouragé à me pistonner sauvagement. Pendant que je m'enfilais la queue de Sébastien au fond de la gorge, je ne souhaitais qu'une seule chose. Être rempli de foutre brûlant. Pour la première fois, je ne pensais plus aux femmes. Mes compagnons continuaient de s'agiter en moi. Le gland de Sébastien cognait au fond de mon anus, non, de ma gorge, et celui de Manuel me pilonnait l'anus. De temps en temps, Manuel se retirait, ce qui me faisait hurler de plaisir, puis il revenait à la charge, m'enfilant sans ménagement. J'ai soudain été secoué par un nouvel orgasme, et les garçons se sont enfin laissés aller. Sébastien m'a rempli la bouche d'un sperme crémeux et tout chaud, et j'ai enfin senti la même vague de chaleur m'envahir les reins et le cucu. Nous avons bu encore un peu de vin, pour nous remettre de nos émotions, puis Sébastien m'a proposé de regarder la cassette vidéo. Et Mustel qui arrive à la fin. C'est terrible. C'est terrible. Elle arrive au dernier mot. Genre, la catastrophe. Mustel qui voulait absolument voir ce stream est arrivé à la dernière phrase. Putain. Ça. C'est tellement une histoire écrite par un mec qui fantasme sur les lesbiennes. Non mais attends, pas que, hein. Alors non, sache que toutes ces histoires ont été écrites par des meufs. Elle s'appelle Julie. La meuf qui a écrit ça s'appelle Julie Bray. B-R-A-Y. Je publierai la VOD. Oui, je la mettrai sur YouTube en vrai. Oui, je la mettrai sur YouTube. Non, c'est un mec, Julie, j'en suis sûr. Ah, pas sûr. Mais au pire, je la mettrai en nom répertorié, Mew. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon bah, mes deux histoires préférées, ça restait celle en 1937. Et ça restait celle avec le couple d'échangisme imposé, là.
Ça, c'était les deux plus sympas. Les autres étaient un petit peu... La dernière était rigolote hein, quand même, hein, mais voilà. Hier, on avait une Julie aussi et c'était un mec. Oui, mais il est... Non, mais c'était... C'est un mec. C'est un mec, hein, le Julie d'hier. Hein. Ok. Ok, c'est vraiment un mec. Non, mais les gars, oh! Bon, on va les laisser finir. Au début du stream, c'était normal. Hein. C'est pas ma faute. Hein. C'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Puis là, si tu regardes bien, il y a un Groot, il est en train de se faire sucer aussi. Attends. Attends. Là, il y a Groot, il se fait sucer. Regarde. T'avais déjà vu Groot se faire pépon? Eh oui. Ah, fallait le voir, hein. Les lasers et tout. T'as vu? Le projo? Les lasers? Tu t'es gavé. Ah, bah là. Là, il y avait des petits trucs aussi. Il y a plein d'accessoires et tout. Bref. Les amis, c'était quand même le stream érotique du soir. J'espère que ça vous a plu. Le stream érotique du soir. On en fera encore un autre, hein, évidemment. Il y a de quoi en faire un deuxième. On le fera pas tout de suite, on va attendre un peu. Parce que c'est quand même fatigant de lire, très fatigant. Et puis là, je crois qu'il me reste un autre livre de Huck encore. Mais on a quand même fait un petit 2h30 de lecture quasiment. Un petit 2h de lecture, on va dire cumulé si on enlève les moments de silence et tout le reste. J'espère que ça vous a plu. C'était quand même un donation goal, on va dire. C'était pas vraiment un donation goal, mais c'était un objectif quoi. Je vous envoie sur un petit raid. Et puis, je remets la caméra, tout ça. Et je sais pas si je relance un stream, on verra bien. On verra bien, à moins que... Je sais pas. À moins que je ne sais pas. Relance. Je relance. Ok. Ok, je relance. Alors, je cut dans ce cas-là et je relance. Ok, on fait ça. Je vous fais des bisous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Merci hein, pour la VOD YouTube. De toute façon, j'aurais déjà coupé. Au revoir la VOD YouTube. Voilà. Ça, c'est fait. Regardez, on va faire ça bien. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3.